Bonjour de New York, de laquelle c'est pension. Merci d'être ici. Je vois que nous avons déjà plus de 200 participants. Donc, c'est super. On voit qu'il y a de l'intérêt pour la pension, ce qui est super. Je vous salue donc de New York, de la Caisse des pensions. Mon nom, c'est Christine Kartner. Je suis chef au service à la clientèle à New York et je suis ici avec mes collègues experts en pension qui vont plus tard répondre à vos questions dans le chat Q&A que vous voyez en haut à droite plus tôt, une fois que nous allons lancer le chat. Pour l'instant, nous allons il restera fermé car au début, nous voudrions avoir votre attention pour passer les premières parties de cette présentation avant d'ouvrir le chat pour le Q&A. La présentation aujourd'hui est focalisée sur les essentiels sur les pensions pour les participants. Donc, je voudrais juste clarifier que, donc, aujourd'hui, ce n'est pas focalisé sur la séparation et la retraite, mais sur la participation. Donc, toutes les informations que nous pensons importantes pour vous qui sont participants à la caisse, pour bien comprendre ce qui représente être participant à la caisse des pensions des Nations Unies. Donc, si vous êtes aussi ou surtout intéressé par les essentiels sur la séparation et la retraite, ce n'est pas aujourd'hui. Ça serait la séance du 13 novembre prochain en anglais. Et ensuite, en décembre, je vais vous dire la date en décembre à l'instant. En décembre, ce serait. Pardon, c'est caché derrière. Voilà, sur les sciences. En décembre, en français, l'essentiel sur la séparation et la retraite, le 11 décembre prochain. Donc, je répète, si vous êtes surtout intéressé par la retraite et tout ce qui est prestations de retraite et les informations sur la séparation, ce serait le 13 novembre en anglais et le 11 décembre en français pour les séances virtuelles de la caisse. Aujourd'hui, donc, c'est focalisé sur les essentiels pour les participants. Voilà, là vous voyez d'ailleurs la page web sur les séances d'information virtuelle de la caisse, juste au cas où vous ne savez pas encore qu'il y a cette page web sur notre site web. Vous pouvez y accéder en allant sur notre site web et sous ressources, vous avez l'onglet séances d'information virtuelle sur les pensions où nous publions régulièrement les informations importantes sur ces séances virtuelles comme celle d'aujourd'hui. Donc, vous avez les dates pour les séances prochaines jusqu'à la fin du mois de novembre. En effet, ça va jusqu'en janvier, en effet, l'année prochaine, que vous pouviez planifier votre participation si cela vous intéresse. Il y a l'information sur la langue dans laquelle la présentation sera faite, bien sûr, le sujet des présentations. Et vous avez aussi, si cela vous intéresse, les événements passés avec, pour chaque événement, l'enregistrement de la présentation et aussi accès à la présentation elle-même en format PowerPoint. Donc, vous voyez, si jamais vous avez besoin urgemment des informations sur la retraite, par exemple, il y avait une séance le 22 mai, ou plutôt en français, le 12 juin dernier, et il y a l'enregistrement pour cette séance si vous ne pouvez pas attendre la séance prochaine en décembre. OK, donc je reviens vers la séance d'aujourd'hui, qui est donc l'essentiel sur les pensions pour les participants à la caisse. La séance est assez longue, plus de 2 heures et demie, et je vais essayer j'espère finir la présentation dans 2 heures et demie, mais
On va voir comment on avance. Je ne veux pas non plus parler trop, trop vite afin que vous puissiez suivre cette présentation à l'aise. Comme toujours, il y aura l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui ainsi que nous allons partager le PowerPoint, cette présentation que je vais vous faire sur la page web que je viens de vous montrer. Donc, vous pouvez y accéder dans quelques jours sur cette page web si jamais vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée de la séance d'aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, nous avons donc le chat pour les questions et réponses que vous voyez en haut, le Q&A. Le Q&A sera fermé pour la première partie de cette présentation. Nous allons l'ouvrir un peu plus tard, une fois que nous avons passé la première partie de la présentation, afin que vous puissiez suivre et vous ne devez pas partager votre attention entre regarder le chat et écouter et regarder ce que je vous présente. Alors, il y aura un quiz. Juste pour commencer, nous avons quelques questions de quiz tout au long de cette présentation. C'est juste pour, c'est pas pour vous stresser, évidemment, juste pour vous, comment dire, encourager à répondre à une ou deux questions sur les pensions après avoir présenté certaines questions à vous. Pour commencer, nous avons un icebreaker, donc une première question, juste pour savoir si vous savez combien de personnes participent actuellement, ou plutôt participent ou reçoivent des prestations de la caisse actuellement. Donc, combien de membres est-ce que nous sommes à la caisse actuellement? Est-ce que nous sommes autour de 50 000? Est-ce que nous sommes près de 145 000 ou avons-nous plus de 200 000 membres à la caisse de pension? Donc, si vous voulez participer, il y a donc dans le Q&A, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour répondre à cette question. Donc, savez-vous combien il y a de membres à la caisse? Et membres qui inclut vous, les participants, comme vous et moi, ainsi que les retraités et ceux qui reçoivent des prestations de la caisse, que ce soit les retraites, que ce soit quelqu'un qui est un survivant, reçoit une prestation de survivant ou même une prestation d'invalidité. Combien de personnes est-ce que la caisse sert actuellement? Plus de 200 000, autour de 145 000 ou 50 000? Je vois que les réponses arrivent. Il y a actuellement. Ouh, ça bouge beaucoup. Je vais attendre un peu plus pour voir s'il y a plus de gens qui veulent répondre. Donc, encore une fois, la question est combien de membres est-ce qu'il y a à la caisse? Participants, retraités et récipients d'une prestation de la caisse. Donc, personne qui sont membres et clients de la caisse de pension. Voilà, donc je vois que la majorité d'entre vous pensent qu'il y a plus de 200 000 personnes actuellement participant à la caisse. Et voilà, c'est correct, nous sommes plus de 200 000 personnes actuellement servies par la caisse de pension des Nations Unies. Je vais vous en parler un peu plus dans un moment. Mais voilà, vous avez raison. Si vous pensez que nous sommes plus de 200 000 personnes actuellement servies par la caisse des pensions. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la présentation elle-même. Je vais partager mon écran. Et voilà, j'espère que vous pouvez bien voir. OK. Alors, juste avant de commencer, juste que vous sachiez, il y aura une pause après la partie 3, c'est-à-dire une fois qu'on a couvert toute l'information qui est essentielle sur la participation spécifiquement. On aura une pause de 10 minutes, ça va être dans à peu près 1 h 30. Et après la pause, on va passer à un aperçu des prestations que la caisse verse, que ce soit les prestations
de versement de départ, de prestations de retraite et prestations d'invalidité et prestations de survivant. Rappel, c'est seulement un aperçu. On ne va pas aller dans les détails pour chacune des prestations car les prestations vont être présentées en beaucoup de détails lors de la présentation en novembre et décembre, anglais et français, sur les essentiels, sur la retraite et la séparation de la caisse. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les prestations, mais on ne va pas entrer dans les détails sur chacune des prestations. Voilà, donc on aura une pause et on aura quelques quiz et on va ouvrir le Q&A afin que vous puissiez remettre vos questions à l'écrit dans le chat, le Q&A, après la pause. Donc avant la pause, il n'y a pas d'option de chat, mais on va ouvrir le chat après la pause et vous auriez une heure à peu près, un peu plus, pour mettre vos questions et recevoir des réponses. Comme j'ai déjà dit, je suis ici accompagnée par mes collègues qui sont tous des experts en pension. C'est notre équipe francophone, afin de répondre à vos questions. Quand vous posez des questions dans le futur, donc après la pause, juste un rappel, s'il vous plaît, ne mettez pas vos détails personnels comme votre numéro de référence à la caisse et aussi pas des questions spécifiques à votre cas sur, par exemple, je ne sais pas, des questions spécifiques sur votre durée d'affiliation à la caisse ou autre. Pourquoi? Parce que mes collègues n'auront pas le temps d'aller dans votre dossier personnel et aussi vous ne devez pas ici partager vos données personnelles pour pouvoir accéder à vos données dans nos dossiers. Les questions, s'il vous plaît, devraient être de nature plus générale afin que tout le monde puisse bénéficier de vos questions et réponses qui vont être publiées, bien sûr. Pour les questions plus personnalisées pour votre cas individuel, veuillez, s'il vous plaît, nous envoyer vos questions via le formulaire de contact sur notre site web ou en utilisant notre centre d'appel afin que nous puissions répondre à vos questions sur votre cas spécifique dans les délais normaux. OK, donc nous y allons. Je sais que la question souvent est posée tout au long de la présentation. Est-ce que cette présentation va être partagée? Donc, je répète, oui, elle va être partagée sur le site web de la caisse, sur la page dédiée aux sciences virtuelles de la caisse. Il y a une page web spécifique pour les sciences virtuelles. Et là, vous pouvez regarder toutes les informations sur les séances, que ce soit les dates et les sujets pour les séances futures, que ce soit les enregistrements et aussi les présentations pour les présentations qui ont déjà été faites cette année et qui vont être publiées et restent publiées afin que vous puissiez les accéder dans votre temps propre comme cela vous arrange. OK, ma souris ne fonctionne pas. Attendez. Voilà. Alors, comme je viens de dire, il y a donc une page web où vous pouvez accéder à toutes les informations sur les séances virtuelles de la caisse et y trouver les dates, les liens pour joindre les séances, etc. La présentation aujourd'hui, on va focaliser sur les aperçus, un aperçu de la caisse et du régime de pension. Ça va être juste pour vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que c'est cette caisse de pension dont vous faites partie, à laquelle vous cotisez régulièrement, mois après mois, et évidemment, comment fonctionne ce régime des pensions de la Caisse des Nations Unies. Ensuite, nous allons regarder des définitions et facteurs clés en matière de pension, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les éléments qui vont déterminer vos prestations futures. On va parler de durée d'affiliation à la caisse, de vos cotisations à la caisse, de comment on calcule ou détermine quel serait ou quel est le montant que vous devez cotiser mensuellement à la caisse et sur quelle base.
On va parler des concepts clés pour comprendre bien comment parler pension, comprendre qu'est-ce que c'est l'âge normal de retraite, l'âge anticipé de retraite. Il y a tout un registre de terminologie de pension qu'il est utile de connaître et comprendre. Donc, vous allez apprendre à parler pension un peu afin que vous puissiez naviguer aussi avec plus de facilité notre site web si vous voulez y trouver des informations en votre temps propre. La troisième partie est focalisée sur la participation à la caisse, juste pour mieux vous expliquer comment ça se déroule, votre participation à la caisse. Quelles sont les options de participation? Il y a certaines options que vous pouvez peut-être avoir une fois que vous devenez membre à la caisse. On va donc regarder ces options-là. On va parler aussi de ce qui se passe si vous partez en temps de travail à temps partiel ou si vous avez une interruption de service. Donc, vous avez une période de service, une séparation et après, vous allez rejoindre la caisse dans un temps un peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre participation à la caisse, etc. Ensuite, nous aurons la pause. Et après la pause, comme je viens de dire, on aura donc un aperçu des prestations de la caisse. Toutes les prestations principales qui sont les prestations pour ceux qui étaient membres à la caisse et qui vont donc après être séparés et avoir droit à une forme de prestation. On va parler des différentes formes ou types de prestations que la caisse verse, les versements et les prestations périodiques. Et juste vraiment, relativement rapidement, regardez les différents types de prestations qui existent. On va aussi parler, sous la cinquième partie, des prestations de survivants et d'invalidité. Une fois de plus, aujourd'hui, la séance n'est pas dédiée à la prestation ou aux prestations, elle est dédiée à la participation à la caisse. C'est donc le focus de cette présentation. Si vous êtes ici, pour des informations, surtout sur les prestations, la retraite, la séparation, etc., ce n'est pas la séance d'aujourd'hui. Ça sera la séance soit en anglais en novembre ou la séance en français le 11 décembre pour vous expliquer en détail tout ce qui se réfère à la séparation et votre retraite future. Donc aujourd'hui, c'est seulement un aperçu. Et finalement, nous aurions en sixième partie la démonstration de votre boîte à outils pension, c'est-à-dire on va regarder où vous pouvez trouver des informations importantes et utiles sur notre site web de la caisse et dans votre espace client de la caisse. Et cet espace client, c'est vraiment un outil clé pour toute personne qui est membre de la caisse. On va regarder l'espace client, comment le naviguer et vous montrer comment vous pouvez utiliser l'espace client pour obtenir une estimation de retraite future ou accéder, par exemple, à votre relevé annuel de pension, etc. Et finalement, un aperçu de comment contacter la caisse. Si vous ne le savez pas encore, on va vous montrer qu'il y a différents moyens de contacter la caisse et comment, quelles sont les meilleures voies de contact pour la caisse. On commence donc avec l'aperçu de la caisse, qui est donc la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, la CCPPNU. Donc, la caisse, quand je me réfère à la caisse, c'est donc cette CCPPNU qui est la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Ça veut dire nous sommes membres du personnel de l'organisation membre de la caisse des pensions et il y a plus de... Non, il n'y a pas plus de... Il y a 24 organisations membres à la caisse actuellement. Qui est donc la caisse ou qu'est-ce que c'est donc la caisse? Quelle est notre mission? Nous allons regarder deux vidéos.
Je vais vous montrer des vidéos que la caisse a faites sur plein de sujets, mais là, on va se focaliser sur les vidéos qui expliquent le fonctionnement de la caisse afin de vous donner les informations clés sur ce que c'est votre caisse de pension et comment elle fonctionne. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'informations sur le site web de la caisse où vous pouvez trouver donc des informations sur comment la caisse fonctionne, sur les investissements de la caisse, sur les ressources qui peuvent être utiles comme les règlements de la caisse, et bien sûr des ressources juste d'informations pour vous faciliter la compréhension sur tout ce qui est la pension. Alors, on va regarder donc une première vidéo. Je vais sortir de cette page. Oh, pardon, pour aller sur la page des vidéos. Excusez-moi. Alors, sur notre site web, voilà notre site web, qui est le site de la UNGSPF. UNGSPF, c'est la version anglaise de ccppnu.org. Et une fois que vous êtes sur le site web en version anglaise ou française, si vous voulez changer de langue, vous allez en haut à gauche. Et là, si vous cliquez là, vous pouvez passer du français vers l'anglais et vice-versa, et l'inverse, évidemment. Mais nous restons donc dans la version du site web en français, évidemment. Et là, si vous allez sous l'onglet Ressources, sous cet onglet, vous avez une page qui s'appelle Toutes les vidéos. Et là, sous Toutes les vidéos, ce que je vais ouvrir, vous pouvez accéder à toutes les vidéos que la caisse offre sur les thèmes principaux de pension que nous pensons être utiles pour vous. Chaque vidéo est plutôt courte, entre 2 à la plus longue, je pense, est 5 minutes, mais normalement, c'est autour de 2 à 3 minutes pour vous présenter les sujets clés de pension. Et je pense que c'est vraiment des vidéos qui peuvent être utiles pour tout le monde. Il y a des vidéos vraiment sur des sujets très diversifiés, tous se référant, bien sûr, aux pensions. Alors, nous allons regarder la vidéo Bienvenue à la caisse et ensuite le fonctionnement de la caisse pour vous donner donc cet aperçu. Je commence avec la première vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec le son. Si jamais il y en a, veuillez, mes collègues, veuillez me signaler s'il n'y a pas de son, s'il vous plaît. J'espère que ça fonctionne, évidemment. La Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies, ou CCPPNU, a été créée en 1949 par l'Assemblée générale des Nations unies pour assurer des prestations de retraite, de décès ou d'invalidité et des prestations connexes au personnel de l'Organisation des Nations unies et des autres organisations qui lui sont affiliées. Au 1er janvier 2022, elle comptait 25 organisations affiliées et servait plus de 220 000 participants et bénéficiaires dans le monde entier. La plupart de ses employés sont en poste à New York et à Genève, mais elle a également de petits bureaux de représentation à Nairobi et à Bangkok. La caisse des pensions fonctionne selon un régime dit à prestations définies. Cela signifie que les pensions sont calculées à l'aide d'une formule prédéfinie et qu'elles doivent être payées à vie et ajustées en fonction de l'augmentation du coût de la vie selon les modalités définies dans les statuts et règlements de la caisse. En cas de déficit, ce sont les organisations affiliées qui sont responsables. Autrement dit, les personnes qui participent à la caisse ne sont pas exposées au risque des investissements et de longévité, ce qui serait le cas dans un régime à cotisation définie. Une autre particularité de la caisse est qu'elle offre des prestations dont le montant est d'abord calculé en dollars des États-Unis, sa monnaie de référence, mais qui peuvent ensuite être versées dans diverses devises dans la plupart des pays. La caisse est arrivée à maturité et le montant des prestations qu'elle doit verser chaque année peuvent souvent être supérieurs au total des cotisations qu'elle reçoit. Elle utilise donc une petite partie du produit
déduit de ses placements pour couvrir la différence entre ces sommes et payer les pensions si nécessaire. Les évaluations actuarielles menées ces dernières années ont montré que la caisse était en bonne santé financière. La caisse est placée sous la supervision générale de l'Assemblée générale de l'ONU et est administrée par le comité mixte tripartite de la caisse, l'administratrice des pensions et le comité des pensions du personnel de chaque organisation affiliée. L'administration des pensions s'est fixée comme objectif de moderniser et d'améliorer les services aux personnes participantes, aux bénéficiaires et aux organisations affiliées. La stratégie de l'administration des pensions repose avant tout sur la technologie et le passage au numérique. La plupart des documents et des formulaires peuvent désormais être envoyés au format numérique depuis l'espace client du site de la caisse et les personnes retraitées ou bénéficiaires peuvent envoyer leur certificat de vie annuel, qu'on appelle le certificat de droit à prestation, en passant par une application mobile. Grâce à de nouveaux systèmes, l'échange automatique de données entre la caisse et les organisations affiliées devient chaque jour un peu plus simple. Pour ce qui est des placements, le Bureau de la gestion des investissements gère un portefeuille sans cesse grandissant dont la valorisation a atteint 90 milliards de dollars fin 2021. Les investissements de la caisse doivent satisfaire à des critères de sécurité, de rentabilité, de liquidité et de convertibilité. Par ailleurs, la Caisse est plus engagée que jamais à promouvoir l'investissement durable. La Caisse a pour mission d'aider ses participantes et participants à prendre leur retraite en toute sérénité après leur carrière dans la fonction publique internationale. C'est sa façon d'aider ses organisations affiliées à remplir leur mission partout dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ungspf.org/fr. Voilà, je suis désolée. Je ne sais pas si pour vous aussi, il y a eu des petites interruptions de vidéo. Donc, c'est dommage, mais j'espère que vous avez pu suivre quand même et évidemment, vous pouvez toujours regarder cette vidéo sur cette page web de la caisse à tout moment qui vous convient. Avant de passer à la présentation, nous allons maintenant regarder le fonctionnement de la caisse. Donc, c'est une explication un peu plus détaillée de comment fonctionne la caisse. Qu'est-ce que c'est ce régime à prestations déterminées dont nous faisons partie et voilà comment fonctionne la caisse. Donc, nous allons regarder la vidéo ensemble. Je ne vais pas la mettre en version grande, je ne sais pas comment dire, mais je vais essayer de commencer la vidéo sur le canal YouTube en espérant que ça marche mieux. Donc, un instant, s'il vous plaît. Five words. You pronounce wrong 2 years before your brain starts shutting down. Dementia is now known as type 3 diabetes. Si vous travaillez pour une organisation affiliée à la caisse en qualité de fonctionnaire et que votre contrat dure au moins 6 mois, vous devenez participant ou participante à la caisse, sauf si votre contrat l'exclut expressément. Un pourcentage de votre salaire calculé en fonction de votre rémunération considérée aux fins de la pension est versé à la caisse chaque mois. L'organisation affiliée qui vous emploie verse à la caisse le double de ce montant en votre nom. Actuellement, plus de 140 000 personnes et 25 organisations affiliées cotisent à la caisse chaque mois. La caisse utilise ses capitaux pour faire des placements dont le produit garantit qu'elle pourra continuer de verser les prestations prévues à l'avenir. La caisse des pensions fonctionne selon un régime dit à prestations définies. Elle met en commun toutes les cotisations qu'elle perçoit. Une fois à la retraite, le montant de votre prestation est calculé en fonction du temps pendant lequel vous avez cotisé et de la classe et de l'échelon du poste que vous occupiez. Ces prestations sont garanties à vie.
Il ne s'agit pas d'un régime à cotisation définie, dans lequel chaque personne participante a un compte individuel et dans lequel le montant des prestations perçues par chaque personne dépend de la valorisation du portefeuille d'actifs constitué grâce à ces cotisations. La Caisse verse des prestations mensuelles à plus de 80 000 retraités et autres bénéficiaires dans plus de 190 pays et territoires. La Caisse suit à la lettre ses statuts et règlements pour garantir sa sécurité financière et le versement des pensions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ungspf.org/fr. Voilà, donc, autant pour les deux vidéos que je voulais partager avec vous, vous avez vu que il y a donc ces vidéos qui expliquent, je dirais de manière plutôt résumée, comment fonctionne la Caisse des Nations Unies, la Caisse des pensions des Nations Unies. On va maintenant revenir à la présentation elle-même. Donc, je vais repartager mon écran, excusez-moi. Voilà. Un instant, excusez-moi. OK. Pour revenir donc à la présentation elle-même. Vous avez donc reçu pas mal d'informations dans ces deux vidéos. Et ceci est vraiment juste un rappel de ce qui a été expliqué dans les vidéos pour juste peut-être consolider cette information qui a déjà été donnée. Donc, la Caisse offre un régime de retraite à prestations déterminées. Et ça, c'est vraiment très important parce que, comme vous avez vu dans la vidéo, cela veut dire que une future prestation de retraite, si jamais une personne aura droit à une forme de prestation de retraite dans le futur, sera calculée sur la base du pourcentage de la rémunération moyenne finale de cette personne à la date de retraite et sur la base de la durée d'affiliation à la caisse de cette personne. Cette prestation de retraite sera payable à vie et sera ajustée sur le coût de la vie. Et ça, c'est la beauté d'un régime à prestations déterminées que les retraites futures sont calculées sur la base d'une formule, non pas sur la base des revenus réalisés par les actifs de la caisse. Donc, c'est un régime où vous avez une sécurité que sur la base du règlement de la caisse des pensions, vous avez droit à une certaine prestation qui se calcule sur la base de cette formule de rémunération moyenne finale, donc votre revenu moyen final à la fin de votre carrière, multiplié par ce qu'on appelle votre taux d'accumulation, qui est calculé sur la base de votre durée d'affiliation à la caisse. Donc, c'est une formule que nous utilisons pour calculer les retraites le moment venu. C'est-à-dire que les prestations ne sont donc pas directement déterminées par le montant des cotisations que quelqu'un verse à la caisse au cours de leur période d'affiliation, mais en fonction du service contribuable, c'est-à-dire la durée pendant laquelle vous avez cotisé à la caisse, et de votre, comme je viens de dire, de votre salaire moyen final à la date de séparation en retraite. Donc, ça, c'est le principe d'un régime de retraite à prestations déterminées que vous pouvez aujourd'hui estimer quelle serait votre retraite future. Évidemment, une estimation à cette date, quand vous êtes probablement encore très loin d'une actuelle ou d'une vraie ou de votre date de retraite réaliste, n'est pas forcément très, très réaliste comme estimation, mais vous pourriez avoir une idée de quel serait à peu près le montant de votre prestation future si vous obtenez une estimation dans votre espace client aujourd'hui pour savoir quel est le montant à peu près de votre prestation future. Et ça, c'est possible parce que nous allons nous référer à cette formule de calcul pour calculer votre prestation future.
Et comme aussi déjà dit dans la vidéo, le régime de pension de la caisse est basé sur le dollar américain. Cela implique que nous, à la caisse, nous recevons vos cotisations dans la valeur de dollars américains et nous calculons votre prestation future initialement dans sa valeur dollar américain. Ensuite, évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez être payé dans une autre monnaie que le dollar américain. Il n'y a pas de problème, mais le calcul initial de votre prestation sera fait en ou dans la valeur de dollar américain. Donc, j'espère que c'est clair que avoir un régime dans une certaine monnaie ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être payé dans une autre monnaie. Évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, être payé dans le futur dans la monnaie de votre choix, tant que c'est une monnaie qui peut être payée. Et nous avons actuellement plus de, je crois, 17 monnaies dans lesquelles nous versons des prestations régulièrement. Voilà. Donc, ça, c'est juste un premier aperçu. La mission de la caisse. Donc, quel est notre objectif? C'est d'offrir à nos bénéficiaires un revenu de substitution une fois que vous allez être en retraite, un revenu de substitution qui est proportionnel au traitement que vous perceviez à la date de séparation de service. Donc, il y a un principe de proportionnalité entre quelle est votre durée d'affiliation à la caisse et votre niveau de revenu à la fin de votre carrière et le montant de retraite que vous allez recevoir de la caisse à vie et ajusté sur le coût de la vie. Donc, la caisse a comme objectif d'offrir ce revenu de substitution qui peut prendre donc la forme d'une prestation de retraite ou dans certains cas, la forme d'une prestation d'invalidité dans des cas où cela s'applique. Aussi, comme vous le savez, la caisse couvre le risque d'invalidité et de décès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si jamais vous, au cours de votre carrière, pour des raisons de santé, ne pouvez plus travailler, et cela pour une durée assez longue. Une fois que vous avez épuisé tous vos droits à congés, que ce soit les congés annuels, les congés de santé, c'est-à-dire de certifié ou non certifié pour des raisons de santé, une fois que vous avez épuisé tous vos droit à congé et que vous avez été reconnu par par le régime de la caisse ou par l'organisation en tant que en droit de recevoir une prestation d'invalidité, dans ce cas-là, la caisse vous verserait un revenu de substitution qui serait donc une prestation d'invalidité. Toute personne qui devient membre à la caisse, à partir du moment où vous devenez membre et vous payez des cotisations, vous êtes couvert pour ce risque d'invalidité. La seule condition pour être couvert est que vous avez passé avec succès l'examen médical lorsque vous devenez membre de personnel de votre organisation employeuse. Mais une fois que cela est le cas, et c'est le cas, je crois, pour la plupart des membres de personnel, c'est vraiment, il y a très, très peu de personnes qui ne passent pas avec succès l'examen médical. Donc, vraiment, la vaste majorité des participants à la caisse sont couverts pour ce risque d'invalidité à partir du premier jour qu'ils deviennent membres à la caisse. Également, nous sommes couverts à partir du premier jour que nous devenons membres à la caisse pour les risques de décès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je décède alors que je suis membre à la caisse, que je suis participant et je paye des cotisations parce que je suis membre de personnel d'une des organisations membres de la caisse, dans ce cas, si moi je décède et si je suis mariée
et ou j'ai des enfants qui sont plus jeunes que 21 ans, dans ce cas-là, mes survivants auront droit à une prestation de survivant de la caisse. Cela peut être une prestation de conjoint survivant qui aura droit à cette prestation à vie. Cela peut être une prestation d'enfant survivant ou plusieurs enfants survivants suivant mon décès. Il y a des conditions, évidemment, pour qu'un survivant ait droit à une prestation de survivant, mais une fois ces conditions sont remplies, la caisse va verser aux survivants les prestations auxquelles ils ont droit. Une fois de plus, pour les conjoints survivants, les prestations sont payables à vie. On va parler un peu plus des prestations de survivants plus tard, après la pause, une fois qu'on parle des prestations. On va aussi parler un peu plus en détail de la prestation d'invalidité. Ici, ce que je voudrais juste que ce soit clair, c'est que vous êtes couvert pour les risques d'invalidité et de décès à partir du jour où vous devenez membre à la caisse, une fois que vous avez passé, évidemment, votre examen médical avec votre organisation employeuse avec succès. Alors, la mission est donc d'assurer pour nos membres que vous avez un revenu à vie une fois que vous partez à la retraite. Est-ce que chaque personne qui devient membre à la caisse a droit à une retraite dans le futur? Non. Pour avoir droit à une retraite une fois que vous êtes séparés, il faut avoir rempli une condition clé. Et cette condition clé, c'est que votre service contribuable à la caisse a été de au moins 5 années. Donc, pour avoir droit à une prestation de retraite de la caisse, donc une prestation payable à vie, mois après mois, vous devez contribuer à la caisse au moins pour 5 années. Une fois que vous avez rempli cette condition et vous avez un service contribuable de 5 années ou plus, vous êtes en droit de recevoir une retraite à vie une fois que vous allez vous séparer de la caisse. Quelle forme de retraite vous pouvez recevoir va dépendre de votre âge à la date de séparation. On va parler des conditions de prestation plus tard et on va parler des conditions sous lesquelles vous auriez droit à certaines prestations. Mais ici, ce qui est important, c'est donc cette condition de devoir cotiser à la caisse pour une durée minimale de 5 années pour avoir des droits acquis à une retraite. Si vous allez être séparé de la caisse avec un service contribuable de moins de 5 années, vous n'auriez pas droit à une forme de retraite. Dans ce cas-là, vous auriez droit à une prestation qui s'appelle un versement de départ, mais pas une retraite. Un versement de départ, c'est un versement unique qui sera payé et une fois que la caisse aura payé ce versement de départ, vous n'avez pas droit à d'autres versements de la caisse. Il n'y a aussi pas de versements futurs à des survivants. Donc, pour avoir droit à une prestation à vie, il faut avoir cotisé à la caisse pour une durée minimale de 5 années. Pour la couverture de prestations d'invalidité ou des prestations suivant votre décès, comme des prestations de survivants, là, vous êtes couvert à partir du premier jour de votre cotisation à la caisse. Il n'y a donc pas cette condition de cotiser pour une durée minimale. Une fois que vous êtes devenu membre à la caisse et vous avez passé donc l'examen médical pour devenir membre de personnel de votre organisation, et donc vous êtes qualifié à être membre de la caisse, dans ce cas-là, vous êtes couvert pour le risque d'invalidité et décès immédiatement. Donc, il n'y a pas une condition de durée minimale de cotisation. Même si vous avez cotisé à la caisse pour seulement un mois ou 6 mois ou une année, si vous devenez invalide ou vous décédez,
Dans ce cas-là, la caisse va prendre le relais pour payer soit la prestation d'invalidité, si vous avez été qualifié pour une telle prestation, ou elle va payer des prestations de survivant aux survivants qui remplissent les conditions pour ces prestations-là. OK? Donc, cette couverture d'invalidité et décès est active à partir du moment où vous devenez membre à la caisse. Alors, voilà pour la mission de la caisse. Maintenant, quelques chiffres. La caisse sert actuellement plus de 230 000 membres. Vous allez en bas, vous voyez, il y a 86 000 prestations périodiques versées chaque année. Cela, c'est le chiffre, où on regarde ici les chiffres de 2023. En 2023, à la fin de l'année 2023, nous avions plus de 86 000 prestations périodiques en paiement mois après mois. Donc, actuellement, nous payons chaque mois plus de 86 000 prestations périodiques. Une fois de plus, qu'est-ce que c'est une prestation périodique? C'est une prestation qui est versée régulièrement mois après mois à ceux qui ont droit à une telle prestation. Cela peuvent être des retraités en droit à des prestations de retraite. Cela peuvent être quelqu'un qui a droit à une prestation d'invalidité payable mois après mois. Ou cela peuvent être des prestations périodiques de survivants, où les survivants ont droit à des prestations mensuelles payables chaque mois aux survivants conjoints ou enfants, par exemple. La caisse verse donc, ou à la fin de l'année 2023, la caisse a versé plus de 3,52 milliards de dollars américains. Donc, en 2023, les prestations périodiques versées par la caisse pour l'année 2023 étaient autour de 3,52 milliards de dollars américains. Il est intéressant de comparer ce montant au montant de revenus par la caisse via les contributions des participants et des organisations membres. Regardons donc à droite pour les participants. Donc, comme vous, comme moi, nous sommes actuellement des participants à la caisse, c'est-à-dire nous sommes membres de personnel d'une des 24 organisations affiliées à la caisse. Et nous faisons partie de plus de 149 848 participants à la caisse. Donc, actuellement, il y a plus de 149 000 personnes qui sont employées par des 24 organisations membres de la caisse, c'est-à-dire on a 24 organisations dont les membres de personnel sont qualifié à être membre à la caisse. Pas chaque membre du personnel est forcément qualifié d'être membre à la caisse, mais si vous êtes membre de personnel d'une des 24 organisations affiliées à la caisse, dans ce cas-là, si vous remplissez les conditions pour devenir membre à la caisse, vous devenez participant à la caisse et vous faites partie des 149 000 et plus participants à la caisse. Donc, des personnes qui versent mois après mois des cotisations à la caisse et contribuent donc à la caisse pour acquérir des droits à pension futurs. Donc, le revenu de cotisation que la caisse a reçu en 2023 des plus de 149 000 participants à la caisse en 2023 était autour de 3,40 milliards de dollars, donc autour de 3,4 milliards de dollars américains. Vous voyez donc que le revenu de cotisation que la caisse a reçu des participants et des organisations membres au nom des participants,
était autour de 3,4 milliards, alors que nous versions, dans la même année, nous avons versé plus de 3,5 milliards de dollars américains pour payer donc les prestations que la Caisse devait payer en 2023. Donc, il y a un léger déséquilibre entre le revenu de cotisation que la Caisse reçoit ou a reçu en 2023 et des montants que la Caisse a dû verser à ceux qui avaient droit à des prestations de la Caisse. Mais vous voyez aussi que la différence entre les revenus et les versements était très, très petite. Et cette différence est remplie par les actifs de la Caisse, où la Caisse peut donc prendre ce qui manque pour remplir cette différence entre ce qui est le revenu de la Caisse et ce qui est, donc sont les versements de la Caisse. Vous voyez à droite ici, il y a une liste des organisations membres de la Caisse. Cette liste, elle n'est pas tout à fait à jour parce que c'est la liste 2022, quand il y avait encore 25 organisations membres à la Caisse. Il y a une de ces organisations qui n'est plus membre, c'est le Tribunal pour le Liban depuis 2024, mais nous avons toujours 24 organisations affiliées en ce jour. Et en bas, vous voyez qu'il y avait en 2023 plus de 122 000 requêtes adressées, c'est-à-dire la Caisse a répondu à plus de 122 000 questions et requêtes reçues de nos membres. Donc, nos services ont répondu à plus de 122 questions et requêtes reçues. Avant que je passe au quiz, je vais juste vous montrer quelque chose qui peut vous intéresser peut-être. C'est sur les investissements de la Caisse. Si vous êtes intéressé sur qu'est-ce que c'est le niveau d'investissement de la Caisse, vous pouvez aller sur notre site web et là, sous l'onglet investissement, vous avez performance, investissement responsable, comment nous investissons et gestion des risques. Si vous allez sous performance historique des avoirs de la Caisse, ça prend un moment, vous pouvez voir quel est le niveau des actifs de la Caisse actuellement. Voilà. Et là, vous voyez, pas encore, mais ça va venir dans un instant. Pardon, ça prend un petit moment. Vous allez voir donc quelle est la performance de la Caisse à l'instant. Et je vais essayer d'agrandir ça un petit peu, si je peux. Excusez-moi, ma souris n'est pas très active. Un instant. Oups, c'est un peu too much. Voilà, donc là, vous voyez, sous performance hebdomadaire de la Caisse, vous voyez que à la date du 18 octobre, c'est le reference date, la Caisse avait des actifs de plus de 96,9 milliards de dollars américains. Donc, c'est sous l'onglet United Nations, mais ça couvre tous les actifs de la Caisse. Donc, là, vous pouvez voir quel est le niveau des actifs de la Caisse actuelle. Donc, nous avons plus de 96 milliards de dollars, près de 97, en fait, milliards de dollars actifs de la Caisse actuellement. Donc, si vous comparez cela, je reviens à la présentation. Si vous comparez cela au nombre, donc, en 2023, vous voyez qu'il y avait une petite différence entre les revenus de la Caisse et les versements. Vous voyez qu'avec plus de 86 milliards de dollars, il n'y a aucun problème pour remplir la petite différence de 0,1 à peu près 1 milliard de dollars. Voilà pour les chiffres de la Caisse en 2023. Les chiffres de 2024 vont être publiés plus tard en 2025. Donc, nous ne les avons pas encore parce qu'ils vont être
évidemment revues et passées sous les audits, etc. OK, maintenant, on va avoir un quiz sur les pensions. Regina, est-ce que c'est le bon moment pour les quiz? Voilà. Donc, pour ceux d'entre vous, je sais que vous n'étiez peut-être pas encore ici quand nous avons partagé le lien pour le quiz. Vous pouvez le voir, donc, sous le Q&A, il y a un lien. Je ne sais pas s'il est visible pour tout le monde, même si vous avez joint plus tard. Donc, Gina, je ne sais pas si tu veux republier le lien ou s'il n'est pas nécessaire. Mais la question est donc, outre les prestations de retraite, quelle couverture est-ce que la caisse offre? Donc, outre que les prestations de retraite, qu'est-ce que c'est la couverture que la caisse offre? Est-ce que c'est la couverture pour les prestations d'invalidité et de décès pour les personnes qui ont droit à de telles prestations? Ou est-ce que c'est la couverture d'assurance maladie après service? Donc, si vous voulez répondre et participer au quiz, vous pouvez donc accéder le quiz via le lien dans le chat Q&A et vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Quelle est la couverture que la caisse offre outre que les prestations de retraite et autres prestations? Est-ce que c'est la couverture du risque d'invalidité et de décès? Ou est-ce que la caisse offre une couverture d'assurance maladie après service? J'attends juste un moment pour voir si... Bon, je vois que la majorité d'entre vous a sélectionné la couverture outre que la retraite, c'est les prestations d'invalidité et de décès pour des personnes ayant droit. Donc, prestations d'invalidité et prestations de décès ou de survivants pour les personnes ayant droit. C'est correct. L'assurance maladie après service n'est pas offerte par la caisse des pensions. La caisse des pensions n'est pas responsable et n'administre pas l'assurance maladie après service. Ça, c'est un autre service. C'est un service dédié à l'assurance maladie après service. C'est en dehors de la caisse des pensions. Ce n'est pas la caisse des pensions qui couvre l'assurance maladie. Donc, c'est très important à savoir que si vous avez des questions sur votre assurance maladie après service, ce n'est pas la caisse qui va être là. Le service qui peut vous aider. OK? Par contre, oui, la caisse couvre donc les risques d'invalidité et de décès, c'est-à-dire des prestations de survivants et les prestations d'invalidité pour ceux qui ont droit à de telles prestations. Merci beaucoup d'avoir participé. On va passer à la prochaine partie. On va partir maintenant dans la partie définition et facteurs clés en matière de pension. On va regarder donc ces définitions et ces facteurs clés qui déterminent des prestations futures de la caisse des pensions, mais aussi juste une meilleure compréhension de ce qui sont des concepts clés pour bien comprendre et parler pension. C'est un langage un peu technique. Il y a une terminologie qui est spécifique à la pension. Donc, j'espère que cela vous aiderait de mieux comprendre quels sont ces termes que nous utilisons quand nous parlons pension. Et cela vous aide aussi à mieux comprendre et naviguer notre site web. Alors, pour les définitions et concepts utilisés dans le langage de pension, il y a ce terme qui s'appelle date d'admission ou date d'entrée à la caisse. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la date à laquelle vous avez rempli les conditions nécessaires pour devenir membre ou participant à la caisse. Est-ce que c'est forcément la même date que celle à laquelle vous
vous avez commencé à travailler pour votre organisation employeuse. Non. Excusez-moi, on vient de me dire que je ne partage plus mon écran, donc à l'instant, je vais partager l'écran rapidement. Excusez-moi pour ça. OK. Pardon. Donc, une fois de plus, la date d'admission, la date d'entrée à la caisse, qu'est-ce que c'est? Donc, répète, la date, c'est la date à laquelle vous avez rempli les conditions pour devenir membre slash participant à la caisse. Et je viens de dire, est-ce que cette date d'admission à la caisse est forcément la même que votre date de début de travail dans votre organisation employeuse? Et la réponse est non. Il peut y avoir une différence entre votre date de début de travail dans votre organisation employeuse et la date à laquelle vous remplissez les conditions pour devenir membre de la caisse des pensions. On va regarder un peu plus tard quelles sont les conditions pour devenir membre à la caisse. Mais sachez qu'il se peut absolument que vous commencez à travailler pour une organisation membre de la caisse, mais vous ne commencez pas à la même date de devenir membre à la caisse des pensions. Donc, cette date d'admission ou d'entrée à la caisse, pourquoi est-elle importante? Parce que c'est la date à laquelle vous commencez à payer des contributions à la caisse. C'est à partir de cette date-là que votre organisation va prélever de votre salaire un certain montant chaque mois pour reporter ce montant à la caisse. Et votre organisation employeuse va commencer à partir de cette même date à payer des contributions pour vous à la caisse. Car il y a une partie de cotisation qui vient de vous, le participant, et il y a une partie des cotisations qui vient de votre organisation employeuse. Donc, c'est à partir de la date d'entrée à la caisse ou la date d'admission à la caisse que vous allez commencer à payer ces contributions. Et c'est la date à laquelle nous commençons à vous considérer membre de la caisse. C'est cette date d'entrée à la caisse qui va déterminer le règlement de la caisse qui s'applique à vous. C'est-à-dire qui va déterminer, en fonction du règlement applicable à cette date-là, quel est votre âge normal de retraite aux fins de pension? Quel est votre âge de retraite anticipé aux fins de pension? Quels sont les facteurs de réduction pour une retraite anticipée, si jamais cela s'appliquerait à vous dans le futur? Donc, la date d'entrée à la caisse, qui est la vôtre, détermine votre âge normal de retraite, votre âge anticipé de retraite et d'autres facteurs importants pour la caisse. C'est donc normal que vous, qui avez une date d'entrée à la caisse qui est individuelle, qui est la vôtre, c'est la date à laquelle vous avez rempli les conditions pour devenir membre à la caisse, il est donc tout à fait envisageable que la date d'entrée pour vous est différente que celle pour votre collègue. Et votre collègue peut-être a joint la caisse 10 années avant vous. Il se peut que donc le règlement des pensions qui s'applique à votre collègue sur la base de la date d'entrée de votre collègue 10 années plus tôt que vous est un peu différent que le règlement de pension applicable à la date d'entrée qui s'applique à vous. Il se peut donc que votre collègue qui a joint la caisse 10 années plus tôt a une âge normal de retraite différente que vous qui avez joint la caisse 10 années plus tard. Car il se peut que d'une année à une autre, il y a des changements au règlement des pensions. Est-ce qu'il y a souvent des changements? Non, en effet, il n'y en a pas souvent. Surtout, il n'y a pas souvent de changements pour les éléments qui définit votre âge normal de retraite, votre niveau de contribution à la caisse, etc. C'est très rare qu'il y a des changements à ces éléments très importants qui sont déterminés dans le règlement des pensions. Mais de temps en temps, il y a des changements et quand il y en a,
C'est en fonction de la date d'entrée qui s'applique à votre cas. Quel est donc le règlement qui s'applique à vous ou quel était le règlement à la date de votre date d'entrée à la caisse? Et donc, par exemple, quel est votre âge normal de retraite ou âge anticipé de retraite? J'insiste là-dessus parce que nous avons régulièrement des gens qui viennent vers nous et qui disent, je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi j'ai une date normale de retraite différente, pourquoi pour moi c'est 65 ans et pour mon collègue c'est 62 ans. C'est donc vraiment sur la base du règlement en fonction de votre date d'entrée à la caisse. Il se peut aussi que votre date d'entrée à la caisse est différente de votre date de début de service contribuable. Comment est-ce que ça c'est possible? C'est possible car une fois que vous êtes devenu membre à la caisse, que vous avez donc votre date d'entrée à la caisse, une fois que c'est le cas, vous avez maintenant que vous êtes membre à la caisse, il se peut que vous ayez des options qui vous permettent de valider une période de service non contribuable quand vous étiez déjà membre de personnel dans votre organisation employeuse, mais pas encore en droit d'être membre à la caisse. Il se peut donc que vous avez une fenêtre qui s'ouvre où vous pouvez opter à valider cette période et la faire partie de votre service contribuable à la caisse. On va parler de ces options plus tard, mais si vous optez pour une validation de service non contribuable, ou vous avez une autre option qui s'appelle la restitution, on va en parler plus tard. Mais si vous avez, vous avez opté pour ces options, si vous avez droit à ces options et vous avez opté de valider ou restituer dans ce cas-là, il se peut que votre date d'entrée à la caisse est plus tard que ce qu'on a considéré le début de votre service contribuable. Où est-ce que vous pouvez voir toutes ces dates? Dans un document qui s'appelle le relevé de pension annuelle. Votre relevé de pension annuelle est publié chaque année dans votre service, dans votre espace client de la caisse. Il y a un espace client de la caisse, un service en ligne, où vous pouvez accéder votre espace personnel de client de la caisse et vous pouvez accéder à ce document qui s'appelle le relevé de pension annuelle. Et dans ce relevé, il y a des informations clés sur votre cas personnel en ce qui concerne votre participation, excusez-moi, à la caisse. On va regarder le relevé annuel un peu plus tard, mais je voulais juste dire que c'est dans ce relevé annuel que vous pouvez voir quelle est votre date d'entrée à la caisse et quel est votre début de service contribuable. Parce que tout ça, c'est des éléments importants pour déterminer vos droits futurs. Ensuite, on va passer à un autre concept qui est important. OK. On va maintenant parler du service contribuable. Votre service contribuable, c'est votre service en tant que membre de personnel pendant lequel vous étiez membre à la caisse et que vous étiez membre actif de la caisse. C'est-à-dire, vous étiez dans une période pendant laquelle vous avez payé des contributions à la caisse mois après mois. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons un service contribuable sans interruption. C'est-à-dire, nous n'avions jamais eu des périodes de congés sans paye, on n'a jamais eu des périodes d'interruption de service. On a tout simplement commencé à contribuer à la caisse et contribuer jusqu'à la date de séparation, peut-être en retraite. Dans ce cas-là, nous avons une période de participation qui est égale à notre période de service contribuable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez aussi avoir une période de participation quand vous êtes membre à la caisse qui inclut des services des périodes de services contribuables quand vous payez des contributions et des petites périodes d'interruption de services contribuables à cause d'une période de congé sans paye ou d'une période d'interruption de services et ensuite une nouvelle période de services contribuables.
Vous pouvez donc avoir à l'intérieur d'une participation, d'une période de participation à la caisse, des périodes de service actif et contribuable et des petites périodes d'interruption avant un autre service contribuable. Une fois que vous allez être séparé pour du bon et vous terminez votre période de participation, la caisse va calculer votre droit futur, votre prestation de la caisse, en fonction des périodes de services contribuables. On va additionner tous les services contribuables à l'intérieur de cette période de participation à la caisse. Et on va exclure les périodes non contribuables, comme des périodes d'interruption de service ou des périodes de congé sans paye, sans participation à la caisse, contribution à la caisse. OK, donc votre service contribuable est donc la période totale comptée en année, en mois et jour pour laquelle vous avez payé des contributions à la caisse au cours de votre participation, au cours de votre affiliation à la caisse. OK? Donc, si vous avez plusieurs périodes d'affiliation avec service contribuable où vous avez payé des contributions et vous avez des petites interruptions pour différentes raisons, il n'y a pas de problème. La caisse va calculer votre prestation future sur la base des services, des périodes de service contribuables quand vous avez en effet payé des contributions à la caisse. C'est la durée durée totale de votre service contribuable à la date de séparation qui détermine à quel genre ou type de prestation vous avez droit. Votre durée de service contribuable détermine aussi le montant auquel vous avez droit en tant que prestation de la caisse. Et si vous avez droit à une forme de retraite de la caisse, la durée de service contribuable va aussi déterminer pour ce qu'on appelle les retraites anticipées, où un facteur de réduction peut s'appliquer, quel est le facteur de réduction qui s'applique à vous. Donc, la longueur de votre service contribuable peut aussi influer ou peut aussi déterminer, si jamais cela s'applique pour votre cas, quel est le facteur de réduction applicable à votre cas en cas de retraite anticipée. On va parler de ça un petit peu plus tard, mais surtout beaucoup dans la présentation en décembre sur la retraite et la séparation. OK, donc vous voyez que la durée de votre service contribuable est en effet un facteur ou un élément important pour déterminer quel genre de prestation vous pouvez, opter et aussi potentiellement si il y a un facteur de réduction qui s'applique, quel est le facteur qui s'applique. Je regarde juste s'il y a quelque chose d'important que... Oui, peut-être le rappel. Donc, juste un rappel, une fois de plus, pour avoir droit à une prestation à vie de la caisse, donc une prestation de retraite, vous devez avoir rempli la condition d'avoir au moins 5 années de service contribuable, donc des droits acquis à pension de retraite. Si jamais vous n'avez pas atteint 5 années de service contribuable, vous ne pouvez pas opter pour une prestation de retraite. Dans ce cas-là, vous pouvez opter seulement pour un versement de départ. Alors, le service contribuable, si on regarde donc, si vous avez moins de 5 années de service contribuable à la date de séparation, vous auriez droit seulement à ce qu'on appelle le versement de départ, donc un versement unique une fois que vous êtes séparés. Et voilà, une fois qu'on a payé le versement de départ, c'est la fin de notre relation entre vous et la caisse des pensions. Si par contre, vous avez à la date de séparation 5 années ou plus de services contribuables, vous pouvez opter en fonction de votre âge à la date de séparation, soit pour une retraite à l'âge normal ou une retraite anticipée, si vous êtes plus jeune que votre âge normal, ou ce qu'on appelle une retraite différée,
Ou si vous êtes plus jeune à la date de séparation que votre âge normal de retraite, vous pouvez toujours aussi opter pour un versement de départ si vous le souhaitez. Et dernier rappel que pour la couverture de risque d'invalidité et de décès, c'est-à-dire pour qu'il y ait des droits à pension d'invalidité ou de prestations de survivant, peu importe quelle est la durée de service contribuable, la seule condition pour avoir droit à ce genre de couverture, c'est d'avoir passé avec succès l'examen médical au commencement de votre emploi. Alors, on passe maintenant à un autre concept ou terme qui est celui de taux d'accumulation. Qu'est-ce que c'est le taux d'accumulation? Le taux d'accumulation, c'est le taux auquel vous accumulez vos droits futurs de retraite. Le taux de votre retraite future s'accumule pour chaque année et mois d'affiliation à la caisse. Le taux d'accumulation est sur la base donc de votre service contribuable. Il s'accumule seulement pour les périodes de service contribuable. Si vous avez une période de service non contribuable à l'intérieur de votre période d'affiliation, ces périodes non contribuables vont pas être ajoutées à votre taux d'accumulation. Donc, c'est seulement votre service contribuable qui va influer votre taux d'accumulation que vous allez accroître au fur et à mesure de votre service contribuable à la caisse. Vous payez donc pour chaque mois et année des contributions à la caisse et vous pouvez accroître jusqu'au maximum de 70% d'accumulation. Donc, votre taux maximal d'accumulation, c'est 70% de quoi? 70% de votre rémunération moyenne finale. On va parler de rémunération moyenne finale plus tard, mais sachez que c'est le concept de quel est le revenu moyen que vous aviez à la fin de votre carrière et sur la base de cette rémunération moyenne finale, nous allons calculer votre retraite future. Pour ceux qui ont droit à une retraite, votre retraite peut être au maximum 70% de votre rémunération moyenne finale. Pour accroître 70% de taux d'accumulation, il faut avoir cotisé à la caisse plus de 38 années. Alors, on va regarder comment s'accroît le taux d'accumulation. Vous avez ici à gauche votre période de service contribuable. Vous avez au milieu votre date d'admission à la caisse avant 1er janvier 1983. On va pas regarder cette colonne au milieu, on va focaliser sur la colonne à droite, date d'admission à la caisse depuis le 1er janvier 1983, car la plupart d'entre vous ont joint la caisse depuis le 1er janvier 1983. La différence entre la deuxième et troisième colonne, c'est seulement que il y a eu un changement dans le règlement, il y a un changement dans ce taux d'accumulation ou le calcul du taux d'accumulation. Mais la plupart d'entre nous sont donc sous les conditions depuis le 1er janvier 1983. Alors, si cela est le cas et vous êtes donc participant depuis le 1er janvier 1983, dans ce cas, votre taux d'accumulation accroît de la manière expliquée dans la colonne la plus à droite. Pour la première jusqu'à la cinquième année de service contribuable, vous allez accroître pour chaque année 1,5% de taux d'accumulation. Donc, pour chaque année de année 1 à 5, vous allez accroître 1,5% pour votre taux d'accumulation. Ça veut dire au bout de 5 années, vous auriez donc 5 fois 1,5% accru. Donc, vous avez accru, on dit ça? Vous allez accroître 5 fois 1,5% pour 5 années de service contribuable, c'est-à-dire 7,5% au total. Donc, si vous allez être séparés
exactement au bout de 5 années de service contribuable, vous auriez un taux d'accumulation de 7,5%. Votre retraite, dans ce cas-là, serait 7,5% de votre rémunération moyenne finale. La plupart des gens contribuent beaucoup, beaucoup plus que 5 années. On va dire donc que vous allez contribuer pour 5 années de plus. Vous allez donc contribuer pour 10 années à la caisse des pensions. Donc, votre service contribuable va être un service contribuable de 10 années. Dans ce cas-là, pour les années 1, 2, 3, 4 et 5, chaque année, vous avez accru 1,5% de taux d'accumulation. Ensuite, à partir de la 5e année, ce taux va être augmenté très légèrement de 1,5 à 1,75% de taux d'accumulation par année. Dans ce cas-là, vous allez rajouter 1,75% pour chaque année que vous allez contribuer à la caisse plus de 5 années. Et disons que vous allez contribuer au-delà de 10 années de service contribuable et vous continuez pour encore 20 années. Donc, si votre service contribuable total est de 30 années, vous pouvez calculer vous-même que c'est 5 fois 1,5% plus 5 fois 1,75% plus à partir de la 10e année, 5 fois, ah non, pardon, pas 5 fois, 20 fois 2%. Pardon. Vous voyez donc qu'il y a des échelons et au bout d'un certain nombre d'années, le taux d'accumulation va être augmenté pour un taux annuel un peu plus élevé. La caisse va donc vous, reward, c'est quoi le mot, va vous donner un droit à un taux légèrement plus augmenté, plus élevé, au bout de 5 années et encore une fois au bout de 10 années de service contribuable. Donc, quelqu'un qui a une totalité de 30 années de service contribuable aurait atteint 56,25% de taux d'accumulation. Et si cette personne opte pour une retraite normale, on va dire, elle aura droit à 56,25% de sa rémunération moyenne finale en tant que retraite annuelle à vie. Voilà comment fonctionne ce taux d'accumulation et je pense qu'il est important à comprendre, c'est que vous, en tant que participant à la caisse, vous, avec chaque mois que vous contribuez à la caisse, augmentez donc votre taux d'accumulation d'un tout petit peu, d'un petit pourcentage de mois en mois en mois et année en année pour augmenter votre taux d'accumulation total à la date de séparation. On reçoit souvent la question, est-ce qu'il y a une différence si je contribue à la caisse un mois de plus ou de moins? La réponse est ici, oui, il y aura une différence. Car si vous restez un mois de plus, vous auriez un tout petit peu de taux d'accumulation de plus que si vous partez un mois plus tôt. Est-ce que c'est une énorme différence? Non. Mais si vous avez une différence, on va dire de une année de plus ou de moins, vous voyez que ça peut être assez significatif. Car si vous êtes à 29 années au lieu de 30 années de service contribuable, vous auriez une différence de 2% de taux d'accumulation et donc de droit à pension. Donc, ça peut être assez important. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est qu'il y a un taux d'accumulation maximal de 70% que personne ne peut excéder. Pour atteindre 70%, donc ce taux maximal, il faut contribuer à la caisse plus de 38 années, ce qui est plutôt rare. Et chaque année et chaque mois que vous contribuez à la caisse compte, car chaque mois va augmenter votre taux d'accumulation un tout petit peu. Et voilà. Donc, comment se calcule votre taux d'accumulation? Si jamais vous voulez calculer votre propre taux d'accumulation, vous avez ici
la formule pour le faire. On passe maintenant au concept de, excusez-moi, rémunération aux fins de la pension, qui est un concept important à comprendre parce que c'est aussi important pour comprendre ensuite ce qui est la rémunération moyenne finale. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose, la rémunération aux fins de la pension? Excusez-moi. Il y a pas mal de, on va dire, mécompréhension de ce terme. Il y a pas mal de gens qui pensent que la rémunération aux fins de la pension, c'est ce que la personne va recevoir en tant que pension une fois séparée. Ce n'est pas le cas. La rémunération aux fins de la pension, c'est le barème mondial pour déterminer les cotisations de chaque membre, chaque participant à la caisse. Et aussi, bien sûr, déterminer donc les cotisations de l'organisation employeuse à la caisse au nom de chaque participant. C'est un barème de salaire aux fins de pension. C'est votre barème de salaire aux fins de pension. Nous avons tous, évidemment, en fonction de notre grade et échelon, droit à un certain niveau de salaire. De même manière, nous avons un barème de salaire aux fins de pension. Sur la base de mon grade et échelon, je cotise un certain montant à la caisse chaque mois. Si mon grade et échelon est plus bas que celui de mon collègue, eh bien, je cotise un peu moins à la caisse que mon collègue chaque mois. Ça veut aussi dire que probablement, à la fin de ma carrière, si je termine à un grade et échelon plus bas que mon collègue, je vais avoir droit à une pension moins élevée, même si on a exactement la même durée de service contribuable. Donc, c'est notre grade et échelon pendant un certain mois, chaque mois, qui va déterminer ou qui vont déterminer le montant de mes cotisations à la caisse. Plus mon grade et échelon est élevé, plus ma cotisation est élevée, plus mon barème, plus ma rémunération moyenne finale à la fin de ma carrière va probablement être élevée. Pour tous les grades professionnels, le même barème s'applique. Donc, pour les grades et échelons professionnels, peu importe que moi, je suis en grade P3 ou P4 ou P5 ou que ce soit D1, Under Secretary General ou autre, peu importe où je travaille, quel est mon endroit de travail ou ma localité, peu importe que j'ai des enfants ou pas, que je sois mariée ou pas, mon barème de salaire à la fin des pensions ou ma rémunération aux fins de la pension est déterminé seulement sur la base de mon grade et échelon. Et si je suis grade et échelon P3-8 à New York ou à Genève ou à Nairobi ou à Dakar ou à Santiago de Chile, ça n'a pas d'importance. Tant que j'ai le même grade et échelon, je paye le même montant de cotisation à la caisse que mon collègue qui a le même grade et échelon pendant le même mois dans une autre localité. OK? Donc, il y a un seul barème mondial de rémunération aux fins de la pension utilisé pour déterminer les cotisations à la caisse pour tous les personnels au grade professionnel. Pour les services généraux, la rémunération considérée aux fins de la pension est égale au salaire brut majoré de toute allocation ouvrant droit à une pension, telle que l'allocation linguistique. Donc, pour les services généraux, c'est la cotisation à la pension et sur la base du grade et échelon et du salaire brut établi localement.
Le salaire brut est établi en monnaie locale, mais la rémunération et les prestations ouvrant droit à la pension sont fixées en dollars des États-Unis. Ça veut dire que vous allez être payé en monnaie locale, probablement, ou possiblement. Et il y a un certain montant de votre salaire qui est prélevé pour payer vos cotisations à la caisse des pensions. Et la caisse des pensions va recevoir le montant en version ou en monnaie États-Unis. Et la question des pensions va calculer votre prestation future aussi d'abord dans la valeur monnaie États-Unis et ensuite convertir dans la monnaie dans laquelle vous voulez être payé. Alors, si vous souhaitez connaître les taux de la rémunération au fin de la pension applicables pour votre cas pour une période donnée, pour ceux d'entre vous qui sont grade échelon professionnel, vous pouvez visiter le site web de la Commission de la fonction publique internationale, qui est l'organisme mandaté pour établir et publier ces taux de rémunération au fin de la pension. Ce n'est pas la caisse des pensions qui détermine ces taux-là. C'est la Commission de la fonction publique internationale. Il y a dans cette présentation le lien vers le site web de la Commission de la fonction publique internationale et directement vers la page où il publie donc les tableaux avec les rémunérations aux femmes de la pension par grade et échelon professionnel. Il y a de temps en temps des révisions de ce taux. Normalement, chaque année, en février, il y a des révisions et presque chaque année, il y a une légère augmentation du taux d'une année à une autre. Donc, si vous souhaitez savoir quel est le taux le dernier applicable, allez s'il vous plaît sur le site web de la Commission de la fonction publique internationale et visitez là le tableau pour les grades professionnels. Vous pouvez aussi voir pour votre cas personnel, taux ou votre rémunération considérée au fin de la pension dans votre fiche de salaire, au moins pour des fiches de salaire des Nations Unies. Dans les autres organisations, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, mais pour les Nations Unies, fiche de salaire ressemble à ceci. Voilà une fiche de salaire pour quelqu'un qui, en novembre, c'est novembre 2020, mais vraiment, ça n'a pas d'importance parce que c'est le même concept en 2024. En novembre 2020, cette personne avait une fiche de salaire et cette personne était un professionnel au grade P5, échelon 06. Cette personne avait donc ce grade échelon au mois de novembre 2020 et donc, pendant le mois de novembre 2020, avait une rémunération en fin de la pension déterminée étant en monnaie États-Unis 218 528. Ça, c'était donc la rémunération au fin de la pension. Ce n'est pas le montant que la personne va recevoir en tant que prestation de retraite future. C'est seulement le barème utilisé pour déterminer, sur la base de grade et échelon, quelle est donc, en fonction de grade et échelon pendant ce mois-là, la rémunération au fin de pension et donc, quel est le montant que cette personne doit payer à la caisse sur la base de cette rémunération aux fins de pension. La personne, chacun d'entre nous, nous tous, devons payer 7,9% de notre rémunération aux fins de la pension à la caisse chaque mois. Le montant donné en haut à gauche, au-dessus du grade échelon, ce montant en valeur dollar américain, est un montant annuel. Notre prestation étant mensuelle, on va donc appliquer 7,9% sur ce montant annuel, obtenir le montant applicable et diviser ce montant-là par 12. Et voilà, on aura obtenu le montant que le membre de le personnel au grade P5-6 en novembre 2020 devait payer à la caisse pour le mois de novembre 2020. 1438 dollars américains. Et comme l'organisation doit payer deux fois ce montant-là,
à la caisse pour ce participant, eh bien, la organisation employeuse devait payer en novembre 2020 pour cette personne au grade P5-6 $2,877. Voilà comment lire votre fiche de salaire pour comprendre, un, ce que veut dire pension remune en haut à gauche, ça veut dire pensionable remuneration en anglais, ce qui veut dire en français rémunération ou fin de pension. C'est un montant annuel sur la base de votre grade et échelon pendant le mois considéré, divisé par 12, 7,9%, vous payez ce montant-là à la caisse pour ce mois-là. Voilà comment se fait ce calcul, comment nous déterminons le montant que vous devez payer à la caisse mois après mois. C'est sur la base de votre grade et échelon et sur cette base-là, votre rémunération moyenne, pardon, rémunération ou fin de pension déterminée en tant qu'applicable et déterminée par la Commission internationale de la fonction publique. OK. Pour les services généraux, si jamais cela vous intéresse, vous devriez obtenir alors votre tableau pour votre localité où vous pourriez voir sous gross pension, rémunération brute, quelle est par grade échelon votre cotisation. OK. Alors, maintenant qu'on a expliqué cela, on passe à la rémunération moyenne finale. Vous auriez, j'espère, compris que c'est sur la base de votre grade et échelon, mois après mois après mois après mois, qu'il s'applique votre rémunération aux fins de pension. À la fin de votre carrière, si vous avez droit à une prestation de retraite, pour calculer votre rémunération moyenne finale, nous allons regarder les derniers 60 mois, souvent 5 années, les derniers 60 mois de votre service contribuable à la caisse jusqu'à la date de séparation. Donc, on prend la date de séparation, on va en arrière, on prend les 60 mois de service contribuable les plus proches de la date de séparation et on regarde à l'intérieur de ces 60 mois de votre service contribuable quels étaient les 36 mois pendant lesquels votre rémunération ou fin de pension était les plus élevées. Dans beaucoup de cas, ça va être les derniers 36 mois avant date de séparation qui reflètent votre rémunération ou fin de pension les plus élevées. Parce que la plupart d'entre nous ont notre grade et échelon les plus élevés et aussi rémunération ou fin de pension les plus élevées pendant la fin de notre service contribuable. Mais le principe est que la caisse va toujours regarder les derniers 60 mois de service contribuable pour déterminer les 36 meilleurs mois de chacun, les 36 meilleurs mois de rémunération ou fin de pension. Pour ceux d'entre nous où les meilleurs mois ne sont pas les derniers 36 mois, on regarde alors quels sont les 36 meilleurs mois dans les derniers 60 mois. On va prendre ces 36 mois, les meilleurs 36 mois de rémunération en fin de pension, et on va les additionner, puis diviser ce montant par 36 pour obtenir votre rémunération moyenne finale. Qu'est-ce que c'est donc? C'est donc votre revenu moyen final à la fin de votre carrière. C'est la base sur laquelle nous allons calculer votre retraite future. On prend votre revenu moyen final, votre rémunération moyenne finale à la fin de votre carrière sur la base des meilleurs 36 mois de rémunération aux fins de pension dans les derniers 60 mois de service contribuable et on va obtenir votre rémunération moyenne finale. Ensuite, on va multiplier ce montant-là par votre taux d'accumulation. Et voilà, on aura obtenu le montant de base de votre prestation de retraite future. Qu'est-ce que cela vous raconte? Ça vous raconte que c'est la durée de votre service contribuable et c'est votre grade échelon et revenu à la fin
de votre carrière durant les derniers 60 mois et pendant cette période, les meilleurs 36 mois qui vont déterminer votre retraite future. Si vous avez commencé votre carrière à un niveau de service général et vous terminez votre carrière à un niveau de directeur, eh bien votre retraite va être calculée au niveau de directeur. Car, encore une fois, votre retraite va être calculée sur la base des meilleurs 36 mois dans les derniers 60 mois de votre service contribuable. OK? Voilà, qu'est-ce que c'est la rémunération moyenne finale? C'est un des facteurs clés pour calculer votre retraite. Et comme marqué ici, je suis désolée, je ne sais pas si vous pouvez voir la page entière, mais le calcul de retraite de base utilise donc les facteurs clés de taux d'accumulation multipliés par votre rémunération moyenne finale. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui sont importants pour déterminer votre prestation future. Les facteurs incluent votre âge à la date de séparation et potentiellement, si vous avez droit à une prestation de retraite anticipée, il y a aussi un facteur de réduction qui s'applique. Mais de manière générale, on va toujours commencer avec le calcul de taux d'accumulation sur la base de votre service contribuable multiplié par rémunération moyenne finale. Alors, comme je viens de mentionner, un autre facteur important pour déterminer votre prestation future, c'est l'âge normal de retraite. Qu'est-ce que c'est votre âge de normal de retraite? L'âge normal de retraite aux fins de pension, c'est la date à laquelle vous auriez atteint. Non, excuse-moi, je vais redire ça. Votre âge normal de retraite, c'est l'âge auquel vous auriez acquis le droit à une prestation de retraite normale à laquelle aucun facteur de réduction s'applique. Comment est-ce que nous savons si vous avez atteint votre âge normal de retraite à la date de séparation ou quel est votre âge normal de retraite? Eh bien, on revient vers le concept de date d'entrée à la caisse. Votre date d'admission ou d'entrée à la Caisse des Nations Unies, la Caisse des pensions, détermine quel est votre âge normal de retraite. Si vous avez joint la caisse entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013, votre âge normal de retraite est 62 ans. Si vous avez joint la caisse avant, votre âge normal de retraite est 60. Si vous avez joint la caisse après, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2014, votre âge normal de retraite aux fins de pension est 65. Vous voyez donc qu'il y a actuellement trois âges de normal de retraite différents à l'intérieur des règlements de la caisse. Et c'est en fonction de la date d'entrée d'une personne, la date d'entrée à la caisse, quel est l'âge normal de retraite pour cette personne. Et comme j'ai dit beaucoup plus tôt, vous pouvez avoir une date d'entrée, une âge normal de retraite différente de votre collègue, car votre date d'entrée à la caisse était différente que celle de votre collègue. De même manière que âge normal de retraite, il y a aussi ce qu'on appelle une âge anticipée de retraite. Ça, c'est l'âge à partir duquel vous pourriez avoir droit à une retraite de la caisse des pensions avec l'option d'avoir des versements mensuels à vie. Ça fait toujours partie d'une retraite, des versements mensuels à vie, plus l'option de prendre aussi une somme forfaitaire. Donc, c'est possible sous une retraite normale ou une retraite anticipée. Si vous êtes à la date de séparation plus jeune que votre âge normal de retraite, mais vous avez atteint au moins votre âge anticipé de retraite, vous auriez droit donc à cette retraite anticipée. Une retraite anticipée se calcule de la même manière que la retraite normale, sur la base de votre service contribuable et votre rémunération moyenne finale. Mais pour une retraite anticipée, s'applique un facteur de réduction qui est en fonction de votre durée d'affiliation à la caisse.
Ce facteur de réduction s'applique seulement pour ceux qui ont droit à une retraite anticipée. Si vous avez droit à une retraite normale, il n'y a pas de facteur de réduction. Seulement si vous êtes plus jeune que votre âge normal à la date de séparation, votre âge normal de retraite, dans ce cas-là, si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour une retraite anticipée et dans ce cas-là, s'applique le facteur de réduction en fonction de votre durée d'affiliation et de votre âge à la date de séparation. L'âge de retraite anticipée peut être 55 ans pour ceux qui ont joint la caisse avant le 1er janvier 2014 ou 58 ans pour ceux qui ont joint la caisse depuis le 1er janvier 2014. Donc, il y a deux âges de retraite anticipée. Voilà donc ce qui est l'âge normal ou l'âge anticipé de retraite aux fins de la pension. Il y a un autre concept qui n'est pas un concept de la caisse des pensions, mais un concept du statut du personnel de votre organisation qui s'appelle votre âge obligatoire de cessation de service. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'âge normal de retraite est le même que l'âge obligatoire de cessation de service. Il est possible que ces deux âges sont les mêmes, mais ce n'est pas nécessairement le cas. L'âge obligatoire de cessation de service, c'est fixé par le statut du personnel de votre organisation, non pas par le régime ou le règlement de la caisse des pensions. Alors que l'âge normal ou anticipé de la caisse de retraite aux fins de pension, celui-là est fixé par le règlement de la caisse et non pas par le statut du personnel. Donc, c'est deux concepts différents. L'un, l'âge obligatoire de cessation de service, c'est fixé par votre organisation et c'est l'âge jusqu'auquel vous pouvez travailler dans votre organisation, si votre contrat le permet. De l'autre côté, l'âge normal de retraite, fixé par la caisse des pensions dans notre règlement, ça c'est l'âge à partir duquel, si vous l'avez atteint, vous auriez droit à une forme de retraite qui s'appelle une retraite normale, auquel aucun facteur de réduction s'applique. Comme j'ai déjà dit, si vous êtes plus jeune que votre âge normal de retraite aux fins de pension, vous avez potentiellement quand même droit à une forme de retraite. Mais dans ce cas-là, on doit appliquer un facteur de réduction à votre retraite parce que vous êtes plus jeune que cet âge normal de retraite. OK? Donc, il est tout à fait possible que vous avez un âge normal de retraite à la caisse des pensions qui est différent de votre âge obligatoire de cessation de service. C'est mon cas. J'ai joint la caisse en 2007, alors que l'âge normal de retraite, pour ceux qui ont une date d'entrée à la caisse entre 1990 et la fin de 2013, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2014, pour nous, notre âge normal de retraite est 62 ans. Ça veut dire que si moi, j'ai une date de séparation qui est après mon 62e anniversaire, à tout moment, c'est-à-dire 62, 63, 64, j'ai acquis le droit à une retraite normale. Peu importe que je travaille jusqu'à mon âge obligatoire de cessation de service ou pas. Mon âge obligatoire de cessation de service, maintenant, depuis, je crois, 2018, est 65 ans. Je peux travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais si je souhaite résigner avant et à la date de séparation, j'ai atteint au moins mon âge normal de retraite, qui est 62 ans, sur la base de ma date d'entrée à la caisse, j'ai droit à une retraite normale sans facteur de réduction. Évidemment, ma retraite va être calculée sur la base de durée d'affiliation à la caisse et ma rémunération moyenne finale. Mais voilà le concept que il y a deux
âges différents, l'âge obligatoire de cessation de service et l'âge normal de retraite, qui sont deux concepts différents. OK? Donc, ne soyez pas inquiet si vous avez une date obligatoire de cessation de service qui est plus élevée que votre âge normal de retraite. Ça arrive, c'est le cas pour beaucoup de gens. Et si nous souhaitons travailler jusqu'à 65 ans, on a le droit de le faire. Plus qu'on travaille, plus qu'on cotise à la caisse, plus notre durée de contribution à la caisse est longue, plus notre taux d'accumulation est élevé, plus notre retraite future sera élevée. Mais si, pour mes raisons personnelles, je dis « je souhaite partir à l'âge de 62 ou 63 ou 63 et demi ans », eh bien, j'ai le droit de le faire et j'aurai droit à une retraite normale sans facteur de réduction. Voilà. Je ne sais pas, il y a un problème de formatage, je suis désolée. Quelles sont les définitions et concepts utilisés? Toujours, il y a la différence entre les prestations périodiques et les versements uniques. Donc ça, c'est juste pour comprendre qu'il y a les prestations périodiques qui sont des prestations payables régulièrement, mois après mois et à vie. Cela peuvent être des prestations d'invalidité, de retraite ou de survivant. Et ces prestations sont calculées sur la base de cette formule que je vous ai déjà répétée plusieurs fois. Taux d'accumulation multiplié par rémunération moyenne finale. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les versements uniques. Ça, ce sont des paiements uniques qui terminent votre relation avec la caisse une fois qu'on les a payés. Le calcul d'un versement est différent d'une prestation périodique. Le versement est calculé sur la base de vos contributions propres, non les contributions de l'organisation employeuse, seulement vos contributions à vous, propres à la caisse, pendant votre durée d'affiliation. Les versements incluent le versement de départ ou le versement résiduel. Alors, tous les facteurs clés que nous avons vu sont reflétés dans ce qu'on appelle votre relevé de pension annuelle. J'ai déjà mentionné, c'est le relevé que vous pouvez accéder dans votre espace client sous l'onglet « Documents ». Chaque année, il est publié une fois par an à la fin du mois de mai et vous donne l'aperçu de votre statut avec la caisse, votre période de participation, depuis votre début de période de participation jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de l'année, la plus récente antérieure. Donc, actuellement, vous pouvez accéder le relevé annuel pour 2023 qui va inclure votre période, tous les éléments importants sur votre période de participation à la caisse depuis votre début de participation jusqu'à la fin de l'année 2023. Les données pour 2024 ne sont pas incluses encore parce que ils vont être inclus seulement l'année prochaine quand on a revu tous les documents, toutes les cotisations et toutes les informations reçues par votre organisation. Voilà donc le relevé annuel. Le relevé annuel est vraiment un résumé de votre statut avec la caisse. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement de le regarder et de le regarder chaque année. Et au cas où vous voyez des éléments qui vous semblent incorrects, de soit contacter la caisse ou vos ressources humaines pour corriger ou mieux comprendre certains éléments de ce relevé annuel. Oh, excusez-moi. Voici un relevé de 2018, mais il ressemble exactement à ce format pour 2023. Le relevé le plus récent disponible, en fait, il y a une faute. Le plus récent disponible est celui se terminant le 31 décembre 2023, note 22. Le relevé dans la première case longue en haut, c'est voilà où on inclut que votre organisation a rapporté à la caisse, qui inclut votre nom, votre organisation employeuse, votre date de naissance, votre sexe, votre statut marital et si vous avez des enfants ou pas, et votre catégorie, c'est-à-dire si vous êtes
service général ou service professionnel et votre âge normal de retraite, NRA, Normal Retirement Age. Pour le moment, le relevé existe seulement en version anglaise. On est désolé pour ça, mais c'est une limite technique qu'on a. On est en train de voir si on peut le publier dans une version bilingue, français et en anglais, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, c'est la version anglaise seulement, mais nous avons sur notre site web publié un guide qui s'appelle le guide du relevé des pensions annuelles que vous pouvez accéder, qui case par case vous explique comment lire le relevé annuel. Donc voilà, le guide, si vous prenez le temps de le regarder, vous allez voir que pour chaque case, voilà, on explique qu'est-ce que c'est cette case, qu'est-ce que c'est cette information qu'elle contient, à quoi sert cette information et comment le comprendre. Voilà, donc revenons juste au relevé annuel ici. Vous voyez donc dans la première ligne tout en haut, les données qui se réfèrent à votre information personnelle. S'il y a des discrépances que vous voyez, veuillez voir vos ressources humaines. S'il y a un problème avec votre date de naissance, votre statut marital, si ce n'est pas correct, ne venez pas à la caisse. S'il vous plaît, allez aux ressources humaines de votre organisation pour demander que ce soit corrigé. Toutes les données que nous recevons pour votre cas doivent nous venir de votre organisation employeuse. On ne peut accepter des données directement de vous. Ça, c'est la responsabilité de votre organisation employeuse. Ensuite, sous la case B, vous avez l'aperçu de Beginning Date, c'est le début de votre service contribuable. Et à côté, B2, Date of Entry into Participation, c'est la date d'admission ou la date d'entrée à la caisse. Voilà la date clé pour déterminer la date à laquelle vous avez commencé votre service, votre participation à la caisse, qui détermine donc votre âge normal et anticipé de retraite, etc. Ensuite, dans cette case, en bas, où vous avez total at 31 December 2018, dans ce cas, total au 31 décembre 2018, vous voyez 15 années, mois, 4 mois, day, 0 jour de service contribuable pour cette personne. Cette personne, à la fin du mois de décembre 2018, avait 15 années, 4 mois et 0 jour de service contribuable à la caisse. Si vous regardez votre relevé, vous allez voir la totalité de votre service contribuable à la fin de décembre 2023. À droite de cela, vous avez des cases sous le titre de LWOP, Leave Without Pay, congé sans paye, / Break in Participation, interruption de service, interruption de participation. Si vous avez là des informations en bas, ici il y a un mois et 23 jours, ça veut dire que vous avez à l'intérieur de votre participation 15 années, 4 mois de service contribuable où vous avez payé des contributions à la caisse et vous avez un mois et 23 jours d'interruption de service et interruption de participation. Donc, service non contribuable. Quand nous calculons votre prestation future, on va seulement regarder les 15 jours et 4 mois pour déterminer votre taux d'accumulation ou calculer votre versement. Sous la case C, vous avez les contributions. Ici, vous voyez seulement vos contributions propres. Vos contributions que vous avez faites depuis votre début de participation jusqu'à la fin de l'année 2023, dans votre cas, si vous regardez votre relevé. Ici, c'est jusqu'à la fin de l'année 2018. Mais cette personne, fin 2018, avait contribué à la caisse 76 464 dollars américains, voilà les plus grands là, et interest. Cette personne a accru des intérêts au montant de 17 752 dollars américains. Vous allez accroître des intérêts année après année sur vos avoirs à la caisse. Cette personne avait donc 76 000 dollars et quelque chose de contribution propre, plus 17 000 et quelque chose, 1 000 dollars de dollars américains d'intérêts gagnés.
Si cette personne va partir avec un versement de départ, elle va recevoir l'équivalent de 76 000 plus 17 000 plus les contributions et intérêts de 2024 en tant que versement de départ plus probablement une augmentation. Mais voilà comment vous pouvez voir quel est le montant de vos propres cotisations à la caisse. Les cotisations de l'organisation ne sont pas incluses ici parce qu'ils ne vous appartiennent pas dans des termes propres, c'est-à-dire ils appartiennent à la caisse pour financer le régime des pensions et les retraites futures. Ils vont être calculés et on en tient compte quand on calcule votre retraite future. Mais on ne les montre pas ici parce que si vous allez recevoir un paiement, soit d'un versement une forme, ou une somme forfaitaire de la caisse, ces montants de versement ou somme forfaitaire sont toujours basés sur vos propres, cotisations propres. Et finalement, dans la case E, vous voyez l'information sur votre rémunération aux fins de pension. Voilà une aperçu ou historique de vos montants de rémunération aux fins de pension, le montant annuel sur la base de votre grade et échelon appliqué mois après mois. Voilà la base pour nous pour calculer votre rémunération moyenne finale, mais aussi de calculer vos contributions à la caisse. Voilà à quoi ressemble votre relevé annuel. Pour plus d'informations, veuillez aller et regarder donc le guide sur le relevé annuel. Excusez-moi. Pour conclure sur la participation et avant la pause, juste un rappel de certains critères de participation et les conséquences. Tout d'abord, qui est participant à la caisse? Et participant à la caisse, tout membre de personnel qui a un contrat à temps complet pour une durée de 6 mois ou plus. Si cela évoque le cas, vous êtes membre de personnel et votre contrat est de 6 mois ou plus, vous êtes membre à la caisse depuis le premier jour de ce contrat-là. Si jamais vous avez commencé sur un contrat de membre de personnel, mais pour une durée de moins de 6 mois, vous n'êtes pas immédiatement participant à la caisse. Vous devez d'abord remplir la condition de 6 mois de contrat de membre de personnel. C'est-à-dire, c'est une fois que vous avez complété 6 mois de service, excusez-moi, sur une suite de contrats consécutifs, sans interruption de plus de 30 jours, que vous allez commencer à être participant à la caisse. Il faut donc d'abord compléter la condition de membre de personnel plus contrat d'une durée de 6 mois ou plus. Une fois de plus, si vous avez un contrat, vous aviez un contrat de membre de personnel de 6 mois ou plus, vous êtes immédiatement participant à partir du premier jour de ce contrat de 6 mois ou plus. Si vous avez un contrat qui n'est pas membre de personnel, vous n'êtes pas en droit d'être membre à la caisse. Les conditions de participation doivent être remplies pour pouvoir commencer votre participation à la caisse. Une fois c'est le cas, vous êtes obligatoirement membre de la caisse. Vous ne pouvez pas, opt-out. Une fois que c'est le cas, vous êtes participant à la caisse, vous allez commencer à contribuer vos cotisations de votre salaire mois après mois. Vous allez cotiser au montant de 7,9% chaque mois, 7,9% de votre rémunération aux fins de pension que je vous ai montré plus tôt dans votre fiche de salaire. Votre organisation va payer le double chaque mois pour vous à la caisse, donc 15,8%. Au total, la caisse va donc recevoir 23,7% de contribution sur la base de votre rémunération aux fins de pension pour un mois donné. Vous allez accroître des intérêts composés au taux de 3,25% annuel. Donc, chaque année, vous allez recevoir des intérêts rajoutés à vos avoirs sur la base de vos cotisations propres au taux de 3,25% d'intérêts composés annuels.
On a déjà parlé du fait que vous êtes couvert pour les risques d'invalidité et décès à partir du premier jour de devenir membre à la caisse. Et que vous allez maintenant, chaque mois, accroître vos droits à pension future. Quelques principes clés quand vous êtes participant, c'est participation à la caisse est obligatoire, non pas facultative. Les cotisations mensuelles sont automatiquement déduites de votre salaire par votre organisation et rapportées à la caisse par votre organisation en votre nom. Et votre organisation va payer la part de l'organisation aussi à la caisse sur la base de votre rémunération aux fins de pension. La caisse n'accepte pas de contributions volontaires. Vous ne pouvez pas payer des contributions pour des périodes d'interruption de service. Ce n'est pas possible. Si vous avez une interruption de service et vous revenez à la caisse après, eh bien, cette période d'interruption de service ne peut pas être pensionnable. Elle est une interruption de service contribuable et de service. J'ai déjà dit, mais je répète, une fois que vous avez atteint 5 années de service contribuable, vous auriez des droits à pension acquis, c'est-à-dire vous pouvez choisir une forme de pension de retraite périodique à la date de séparation en fonction de votre âge à la date de séparation. On vient de parler des intérêts, donc je passe directement à la case 6. La caisse ne peut pas accorder des prêts personnels aux participants ni faire des paiements anticipés avant votre séparation. Vous ne pouvez donc pas retirer des avoirs de la caisse avant votre séparation de service. La caisse ne peut pas effectuer des paiements à des tierces personnes. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons payer seulement à la personne qui était notre participant et devenue notre bénéficiaire et ou, évidemment, vos survivants ont droit à une prestation de survivant de la caisse. Mais nous ne pouvons pas payer pour vous une partie ou la totalité de vos avoirs à une tierce personne ou à, pour rembourser une dette. Ce n'est pas possible. Et finalement, la caisse ne peut pas divulguer des informations confidentielles pour votre cas à une tierce personne. Si vous souhaitez que votre membre de famille, collègue, ami ou autre puisse accéder à des informations sur votre cas à la caisse, vous devez remettre une autorisation écrite, datée et signée à la main à la caisse, nommant la personne qui aura droit à recevoir des informations à la caisse. C'est pour des informations seulement, pas pour remettre des instructions de paiement ou autre. Finalement, quand vous êtes participant, vous avez des options d'achat de services contribuables. Sous certaines conditions, vous pouvez acheter du service contribuable. Quel est le bénéfice d'acheter une période de service contribuable? Je pense que vous le savez, c'est d'augmenter la totalité de votre service contribuable et ainsi augmenter votre taux d'accumulation futur et ainsi augmenter votre caisse, votre retraite ou prestation de retraite future. Votre service contribuable plus long peut aussi être un bénéfice si jamais vous allez avoir droit à une retraite anticipée dans le futur quand votre facteur de réduction peut être influé par votre durée de service contribuable. Qui peut acheter une période de service contribuable? C'est des conditions très strictes et c'est seulement si une personne remplit les conditions qu'elle peut opter pour une de ces 3 options ici, qui sont la validation, la restitution et le transfert de droits de pension. Qu'est-ce que c'est la validation? La validation, c'est la validation d'une période de service pendant laquelle vous n'étiez pas affilié à la caisse, mais vous étiez déjà membre de personnel d'une organisation membre de la caisse. Si cela était le cas, vous aviez un contrat de moins de 6 mois quand vous avez commencé votre travail, vous étiez membre de personnel, mais vous n'étiez pas en droit de participer à la caisse immédiatement. Une fois que vous devenez membre à la caisse, vous pouvez opter à valider cette période pendant laquelle vous étiez déjà membre de personnel, mais pas encore en droit d'être membre à la caisse. Donc,
Dans ce cas-là, vous pouvez faire une application écrite à la caisse pour la validation. Il y a un lien vers la page sur le site web de la caisse expliquant la validation en détail. Vous avez 12 mois depuis la date d'entrée à la caisse pour faire une application de validation. Si vous remplissez ces conditions-là et vous payez votre propre part de cotisation pour la période à valider, cette période-là va devenir partie de votre service contribuable. Dans ce cas-là, votre organisation employeuse va partir sa propre part pour cette période validée et donc il y aura la totalité des contributions versées par vous et votre organisation pour cette période validée. Une fois de plus, pour les détails de validation, veuillez visiter notre site web pour les détails. Ensuite, qu'est-ce que c'est la restitution? La restitution, c'est l'option de rembourser un versement de départ que vous auriez reçu dans le passé pour restituer la période d'affiliation pour laquelle vous aviez reçu le versement de départ. Si vous aviez reçu un versement de départ pour une période de 4 années de service contribuable et vous allez revenir et redevenir membre à la caisse et vous voulez restituer le montant que vous aviez reçu pour ces 4 années, vous pouvez le faire et en remboursant ce montant total plus les intérêts composés, vous allez réactiver les 4 années de service contribuable et cette période va donc faire partie de votre totalité de service contribuable. Ça, c'est la restitution. Vous allez restituer un montant que vous avez reçu en tant que versement de départ et donc réactiver la période d'affiliation, la période de service contribuable qui va alors à nouveau faire partie de votre service contribuable total. Ces deux, validation et restitution, sont soumis à des conditions strictes d'application dans les 12 mois à partir de la dernière date d'entrée à la caisse pour être éligible. Si vous allez faire une application après les 12 mois de votre date d'entrée, vous n'êtes pas éligible et vous ne pouvez pas opter pour soit la validation et ou la restitution. La restitution est aussi possible pour une retraite différée. Si vous avez eu droit ou vous avez opté pour ou étiez considéré comme avoir opté pour une retraite différée depuis le 1er avril 2017, dans ce cas-là, si vous êtes parti et vous revenez maintenant à la caisse, vous avez 12 mois pour demander une estimation pour savoir si vous voulez restituer cette retraite différée déjà établie. Il y a beaucoup d'informations sur la restitution sur notre site web. Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît vous référer à ces sites avec à ces liens et visiter ces pages web et ensuite consulter la caisse pour plus d'informations. Il y a donc des délais très stricts qui s'appliquent, des conditions de délai que vous devez remplir, sinon vous n'êtes pas éligible. Et troisièmement, le transfert de droit à pension. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est si vous venez d'un régime de pension extérieur à la Caisse des Nations Unies vers la Caisse des Nations Unies. Donc, vous avez travaillé pour une organisation internationale à l'extérieur du régime des Nations Unies, donc autre que les 24 organisations membres de la caisse, et vous allez maintenant devenir membre de personnel d'une des 24 organisations de notre caisse des pensions, et vous allez devenir membre de la caisse des pensions des Nations Unies. Dans ce cas-là, vous avez potentiellement le droit de transférer vos droits acquis dans l'autre régime de pension à l'extérieur d'une autre vers la Caisse des pensions des Nations Unies et acheter une période d'affiliation en fonction du montant que vous allez transporter du régime extérieur vers notre régime de pension des Nations Unies. Il y a des accords de transfert entre organisations internationales et régime de pension des Nations Unies. S'il y a un accord de transfert entre l'organisation d'où vous venez
et notre régime des Nations Unies. Dans ce cas-là, il y a les conditions spécifiques dans l'accord de transfert et vous pouvez voir si potentiellement vous pourriez opter pour un tel transfert. Ça marche dans les deux directions, soit de l'extérieur vers le régime des Nations Unies ou du régime de pension des Nations Unies vers l'extérieur, à condition qu'il y a un accord de transfert qui permet un tel transfert. Une fois de plus, c'est pour le transfert de droits acquis de pension entre un régime extérieur et notre régime de pension dont vous faites partie. Une fois de plus, il y a une page web avec beaucoup d'informations. Il y a tous les accords de transfert qui existent. Vous pourriez donc voir si jamais vous pourriez potentiellement être éligible. Il y a des conditions de délai très précises qui s'appliquent ici aussi. Donc voilà sur les délais. Si jamais vous n'êtes pas dans les délais, vous n'êtes pas éligible. En dehors de ces options-là, vous n'avez pas d'option de payer des contributions volontaires à la caisse des pensions. Finalement, la seule option qu'on peut considérer comme payer des cotisations volontaires à la caisse, alors que vous êtes participant à la caisse, c'est si jamais vous prenez une période de congé spécial sans paye. Si vous optez pour une période de congé spécial sans paye, vous pouvez, si vous le souhaitez, opter de payer des contributions à la caisse pendant une telle période. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Si vous le souhaitez, vous devez faire les arrangements entre vous et votre service de la paye dans votre organisation. Et ces arrangements doivent être en place avant que vous commenciez votre période de congé spécial sans paye. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez, pendant une telle période, payer vos contributions de pension. Dans ce cas-là, vous devez payer votre propre part, mais aussi la part de l'organisation. Donc, c'est assez cher. Qui opterait pour cela? Ce sont les personnes qui savent qu'ils vont partir avec une prestation de retraite et qui pensent peut-être prendre une prestation de retraite anticipée et qui savent que avoir cette période additionnelle va leur permettre d'atteindre une certaine période d'affiliation, d'une certaine durée d'affiliation à la caisse avec service contribuable. Cela peut être très important pour une retraite anticipée. Évidemment, si jamais vous considérez prendre un congé spécial sans paye et vous voulez savoir si cela, cela peut vous bénéficier de payer des contributions de pension pendant cette période, votre part et celle de l'organisation, contactez la caisse pour savoir et comprendre comment ça fonctionne. Sur notre site web, nous avons une page dédiée au congé spécial sans paye et pension où toutes les conditions sont expliquées. Regardez cette page, lisez-la en détail. Ensuite, si vous avez besoin, venez vers nous avec plus de questions. Mais sachez que nous n'acceptons pas des contributions rétroactives après que vous avez commencé déjà une période de congé spécial sans paye. OK? Les arrangements doivent être faits entre vous et votre, votre service de paye avant votre départ en congé spécial sans paye. Si vous ne souhaitez pas payer des contributions, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé. Dans ce cas-là, ça devient une période d'interruption de service ou d'interruption de votre service contribuable que vous ne pouvez pas excéder 3 années. Donc, vous ne pouvez pas avoir plus que 36 mois d'interruption de service sans que nous allons vous séparer de la caisse. Alors, on va sauter le quiz. On ne va pas faire un quiz. On va vous donner une pause de 10 minutes et quand vous revenez, on va regarder un aperçu rapide des prestations de retraite et survivants et ensuite on va vous montrer les outils de pension. Donc, je vous vois à temps de New York, 10h30, dans 10 minutes exactement. Merci de revenir dans 10 minutes.
All right. On est de retour. Merci d'être de retour et j'espère que vous avez une bonne pause. On va maintenant regarder un aperçu de ce qui est les prestations principales de la caisse et les prestations de survivants. Cet aperçu va être en forme de vidéo. Donc, vous allez voir deux autres vidéos que nous avons ici sur notre site web. Et j'espère que les vidéos marchent bien. Et comme j'ai déjà dit tout au début de cette présentation, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par les détails sur toutes les prestations, sur la séparation, en particulier sur les retraites, il y a donc la session sur les essentiels sur la séparation et la retraite le 13 décembre en français. Donc, il y a une présentation virtuelle focalisée sur la séparation et la retraite où nous allons rentrer dans les détails pour toutes les prestations. Voilà. Donc, le régime des prestations de la caisse, un aperçu. Donc, nous avons une variété de prestations que la caisse verse. Donc, comme j'ai déjà dit plus tôt, il y a les versements, comme le versement de départ au titre de la liquidation des droits, ou le versement résiduel qui est payable suivant le décès d'un membre de la caisse et s'il n'y a pas de survivants qui ont droit à des versements périodiques. Sinon, il y a les versements périodiques, c'est-à-dire les pensions, comme les pensions de retraite, que ce soit la retraite à l'âge normal ou la retraite anticipée ou ce qu'on appelle la retraite différée. Et puis, il y a la pension d'invalidité, ce qui est une prestation évidemment seulement payable dans des cas très spécifiques ou pour des raisons de santé. Un membre du personnel qui est membre à la caisse ne peut plus travailler et où la caisse prend le relais pour verser donc des paiements mensuels en forme de pension d'invalidité. Et il y a les prestations de survivants pour les conjoints, ex-conjoints survivants ou les enfants. Alors, pour préparer ou pour vous montrer dans quelles sont ces options, on va regarder la vidéo. Un instant, je vais passer à la vidéo. Et j'espère que ça fonctionne. Voilà, je commence la vidéo sur les options de prestations. Donc ici, vous allez avoir un aperçu des prestations que la caisse offre, qui sont les prestations principales à ceux qui étaient membres de la caisse, participant à la caisse, et qui, suivant la séparation, en fonction de durée d'affiliation et service contribuable, et en fonction de leur âge à la date de séparation, ont droit à certaines prestations. Quel choix de prestations s'offre à vous au moment de votre cessation de service ou de votre départ à la retraite? Vous pouvez opter pour différentes solutions en fonction de votre âge et de la durée pendant laquelle vous avez travaillé pour une organisation affiliée et cotisée à la caisse. Pour vous aider à prendre une décision, inscrivez-vous sur l'espace client du site de la caisse et utilisez les outils de simulation que vous y trouverez pour obtenir des estimations. Tout d'abord, voyons quelles options s'offrent à vous. Option 1. Versement de départ au titre de la liquidation des droits. Si vous avez été affilié à la caisse pendant moins de 5 ans, votre seule option est le versement de départ au titre de la liquidation des droits. Vous recevrez un montant égal à celui de vos propres cotisations, majoré des intérêts générés. Si vous avez été affilié à la caisse pendant 5 ans ou plus et que vous n'avez pas atteint l'âge normal de départ à la retraite, vous pouvez également opter pour ce versement. Dans ce cas, vous recevrez un montant équivalent à celui de vos propres cotisations, majoré non seulement des intérêts générés, mais également d'une somme supplémentaire correspondant à 10% du montant de vos propres cotisations plus intérêts pour chaque année d'affiliation après les 5 premières années. Cette majoration de 10% par an est limitée à 10 ans et son montant total ne peut pas dépasser celui de vos propres cotisations plus intérêts. Avant de nous intéresser aux autres options, parlons de quelques âges importants. Pour les personnes admises à la caisse avant le 1er janvier 2014, l'âge de départ à la retraite anticipée est de 55 ans. Les personnes admises à la caisse après cette date peuvent prendre leur retraite anticipée à partir
partir de 58 ans. Pour les personnes admises à la caisse avant le 1er janvier 1990, l'âge normal de départ à la retraite est de 60 ans. Pour les personnes admises entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 2014, cet âge passe à 62 ans. Pour celles admises après le 1er janvier 2014, il est de 65 ans. Option 2, pension de retraite différée. Si vous avez cotisé à la caisse pendant 5 ans ou plus et que vous cessez votre service avant d'atteindre l'âge de départ à la retraite anticipé ou l'âge normal de la retraite, vous pouvez prétendre à une pension de retraite différée. Cela veut dire que vous commencerez à percevoir votre pension, qui est habituellement mensuelle, lorsque vous atteindrez l'âge normal de la retraite. Si vous en faites la demande, vous pouvez commencer à la percevoir à n'importe quel moment entre l'âge de départ à la retraite anticipée et l'âge normal de la retraite. Si vous demandez à percevoir votre pension de retraite différée avant l'âge normal de la retraite, elle sera réduite en conséquence, de manière permanente. Gardez à l'esprit que si vous choisissez cette option, vos cotisations arrêteront de générer des intérêts entre votre cessation de service et le moment où votre pension de retraite différée deviendra payable. De plus, si vous choisissez une pension de retraite différée, vous ne pourrez jamais prétendre à une pension d'enfant. Option 3, pension de retraite anticipée. Si vous avez été affilié à la caisse pendant 5 ans ou plus et que vous cessez votre service après avoir atteint l'âge de départ à la retraite anticipée, mais avant d'avoir l'âge normal de la retraite, vous pouvez demander à recevoir une pension de retraite anticipée qui vous sera versée chaque mois. Cependant, si vous demandez à recevoir votre pension avant l'âge normal de la retraite, un coefficient de réduction sera appliqué lors du calcul du montant de la prestation. Plus l'âge auquel vous demandez à commencer de percevoir votre pension est proche de l'âge normal de la retraite, moins la réduction est importante. Vous pouvez choisir de recevoir une somme en capital allant jusqu'à un tiers de la valeur totale de votre pension, mais la somme que vous recevrez chaque mois sera réduite en conséquence. Veuillez garder à l'esprit que vos enfants ne pourront bénéficier d'une pension d'enfant qu'à partir du moment où vous aurez atteint l'âge normal de la retraite, et uniquement s'ils ont moins de 21 ans à cette date. Toutefois, la pension d'enfant est payable immédiatement si la caisse détermine que votre enfant est en situation de handicap. Option 4. Pension de retraite à taux plein. Si vous avez été affilié à la caisse pendant 5 ans ou plus et que vous cessez votre service à l'âge normal de la retraite, vous pouvez prétendre à une pension de retraite à taux plein qui vous sera versée chaque mois. De plus, vous pouvez choisir de recevoir immédiatement une somme en capital allant jusqu'à un tiers de la valeur totale de votre pension, mais le montant de votre prestation mensuelle sera réduit en conséquence. Option 5. Différer le choix de prestation. Cette option n'est pas une prestation en soi, mais c'est un choix qui vous est offert tant que vous n'avez pas atteint l'âge réglementaire du départ à la retraite dans l'organisation qui vous emploie. À l'ONU, cet âge est de 65 ans. Si vous n'avez pas encore atteint cet âge, vous pouvez demander un délai de 36 mois au maximum avant d'opter pour une prestation, notamment si vous cherchez un nouvel emploi dans la même organisation ou dans une organisation affiliée à la caisse. Si vous vous réaffiliez à la caisse moins de 36 mois après votre cessation de service, on considérera que vous avez continué de participer sans interruption. Les exemples suivants illustrent différents scénarios qui pourraient correspondre à votre situation. Voici Khalid. Khalid a travaillé pour une organisation affiliée à la caisse des pensions, mais pendant moins de 5 ans. Étant donné qu'il a cotisé pendant moins de 5 ans, Khalid n'a droit qu'à un versement de départ au titre de la liquidation des droits. Il peut également demander à différer sa décision, ce qui lui laisserait jusqu'à 3 ans pour chercher un nouvel emploi dans une organisation affiliée avant de devoir exercer son droit à prestation. Between oat milk and almond milk, which should I drink? Neither. It's a protein drink. You've got almond butter. Almonds have a
Deuxièmement, elle peut demander un délai allant jusqu'à 3 ans avant de choisir une prestation. Troisièmement, elle peut choisir de recevoir une pension de retraite différée et commencer à recevoir des versements mensuels lorsqu'elle atteindra l'âge normal de la retraite. Quatrièmement, elle peut choisir de recevoir une pension de retraite anticipée. Voici Carlos. Il a travaillé pour une organisation affiliée à la Caisse des pensions pendant plus de 5 ans et à 62 ans. Il a atteint l'âge normal de départ à la retraite. Carlos a 2 choix. Premièrement, il peut demander un délai de 3 ans au maximum avant de choisir une prestation et chercher un nouvel emploi. Mais il devra faire attention. Si sa rémunération considérée aux fins de la pension diminue, le montant de la pension que lui versera la caisse à l'avenir diminuera également. Deuxièmement, il peut choisir de toucher une pension de retraite à taux plein, que la caisse appelle aussi une pension complète. Cette présentation simplifiée a pour but de vous donner un aperçu des prestations qu'offre la caisse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ungspf.org/fr. OK. Je suis désolée de ces interruptions de publicité dans YouTube. J'espérais que YouTube est plus efficace à montrer les vidéos sans interruption, mais les pubs, évidemment, sont un peu dérangeants. Donc, je suis désolée. J'espère que vous avez pu quand même suivre et que, en tout cas, vous savez où se trouvent ces vidéos sur notre site web et vous puissiez regarder dans votre temps les vidéos si vous les trouvez utiles. Revenons à la présentation. Donc, vous avez vu maintenant les différentes prestations que la caisse offre, les prestations principales, c'est-à-dire celles auxquelles aurait droit quelqu'un qui a été membre de la caisse et qui est maintenant séparé. Il y a donc maintenant les autres prestations qui sont celles des survivants. Et on va passer à regarder une vidéo sur les survivants. Je vais la montrer dans un autre format. Encore espérant que, un, il n'y a pas de pub vidéo YouTube, mais aussi qu'il n'y a pas d'interruption. C'est une vidéo plus courte et j'espère qu'elle vous serait utile. Donc, c'est un aperçu de toutes les prestations de survivants que vous pouvez voir aussi sur notre site web. Excusez-moi, je minimise. OK. Alors, tout d'abord, avant qu'on regarde la vidéo, voilà un aperçu des autres prestations. La prestation d'invalidité, dont on a déjà parlé, et les prestations de survivants, qui peuvent être des prestations pour époux ou ex-époux survivants, dans un futur époux survivant marié après la séparation en retraite ou invalidité, les pensions d'enfants survivants et les pensions indirectement à charge à condition qu'il n'y a pas de survivant enfant ou époux ou ex-époux. Finalement, s'il n'y a ni ou aucun survivant en droit de recevoir une prestation mensuelle de survivant, que ce soit époux, ex-époux, enfant, etc. Dans ce cas-là, la caisse va regarder s'il y a un versement résiduel à payer. Et je vais en parler dans un instant. Avant qu'on en arrive là, regardons donc les prestations de survivants. Il y a 2 vidéos qui couvrent les prestations de survivants. La vidéo de perspective, quelles sont les prestations de survivants, c'est celle qui montre tous les détails sur les différentes prestations. Ça, c'est la vidéo qui est utile pour comprendre quelles sont les prestations de survivants qui existent. S'il y a aussi une autre vidéo qui est désignée pour ceux qui sont survivants, afin qu'ils puissent regarder que faire si on est survivant de quelqu'un qui était membre à la caisse et quelles sont les étapes à suivre pour informer la caisse, quels documents soumettre, etc. OK, alors on revient à notre site web.
Excusez-moi pour le back and forth. Et sur toutes les vidéos. Ah, ça, pardon, là. Donc, je suis sur notre site web et on va voir les prestations de survivants ici. Je reste sur la page en espérant que ça marche mieux. Et c'est une vidéo de quelques minutes à nouveau. Étant participant ou participante à la CCPP NU, vous êtes couvert ou couverte pour le risque de décès en cours de service. Cela signifie que si vous mourrez en cours de service et qu'à cette époque vous êtes marié et ou que vous avez en charge des enfants de moins de 21 ans, qui sont dûment notifiés à la caisse avant votre cessation de service ou votre mort en cours de service. Alors, votre ou vos conjoints ou conjointes ou votre survivant ou survivante et votre ou vos enfants de moins de 21 ans pourraient avoir droit à une prestation de survivant. Dans le cas d'un conjoint ou d'une conjointe survivante, la prestation est payable à vie. Dans le cas d'un enfant survivant, le bénéfice s'arrête lorsque l'enfant atteint l'âge de 21 ans, sauf pour les enfants reconnus invalides par la caisse. Dans des conditions bien précises, un conjoint ou une conjointe divorcée peut également avoir droit à une prestation de conjoint survivant divorcé. S'il n'y a pas de conjoint ou conjointe, ou bien de conjoint ou conjointe divorcé, et ou d'enfant ayant droit à une prestation, alors une personne indirectement à charge survivante, comme un parent ou un frère ou une sœur reconnue comme telle par votre organisme employeur, pourrait avoir droit à une prestation de survivant. La couverture pour les prestations de survivant commence dès le premier jour de votre participation à la CCPP-NU, à condition d'avoir été médicalement autorisé par votre organisme employeur. Il est extrêmement important que vous signaliez toutes vos personnes à charge à votre organisme employeur et que vous informiez votre service RH de tout changement en temps opportun, afin que la caisse soit au courant de tous ou toutes vos survivants ou survivantes potentielles. Si vous décédez après votre cessation de service, tout en ayant droit à une prestation d'invalidité ou de retraite de la caisse, une ou plusieurs des mêmes prestations de survivant pourraient devenir payables, et la logique est la même. À nouveau, les survivants ou survivantes ayant droit à une prestation pourraient être votre conjoint ou conjointe divorcée et ou vos enfants éligibles. Si vous n'avez aucun de ces survivants, une personne indirectement à charge reconnue comme telle par votre organisme employeur pourrait avoir droit à une prestation. Veuillez noter que si vous vous mariez après votre cessation de service, votre nouveau conjoint ou conjointe n'aura pas droit à une prestation de survivant, sauf si vous achetez une rente pour lui ou elle. Pour cela, vous devrez informer la caisse et faire la demande par écrit dans l'année qui suit la date du mariage. Vous devez savoir que les enfants conçus après votre retraite n'ont pas droit à une prestation de survivant. Lorsque vous cessez votre service pour invalidité ou retraite, la caisse vous demandera de soumettre des copies de pièces d'identité valides émises par le gouvernement et des certificats de naissance pour vous-même, votre conjoint ou conjointe ou vos conjoints ou conjointes, vos ex-conjoints ou ex-conjointes et pour tous vos enfants. Moins de 21 ans, ou de plus de 21 ans s'ils sont reconnus invalides. La caisse aura également besoin d'une copie de votre certificat de mariage et tout certificat de divorce ou décès de vos conjoints ou conjointes précédentes. Si vous avez des personnes indirectement à charge, la caisse aura également besoin de copies de leur certificat de naissance. Vous pouvez soumettre ces copies soit par l'intermédiaire de votre employeur, ou directement à la caisse pendant le processus de votre cessation de service. Si votre état civil change après votre cessation de service, il est important que vous informiez la caisse et que vous fournissiez à la caisse la documentation pertinente. C'est une bonne idée pour vous et vos survivants de créer un dossier avec des copies des documents justificatifs sous-mentionnés, ainsi que la brochure sur les survivants imprimée à partir de ce site web et les coordonnées de la CCPP-NU, afin que toutes ces informations soient facilement disponibles en cas de besoin. Regardez la vidéo. Êtes-vous une survivante d'une retraitée ou bénéficiaire de la CCPP-NU?
pour plus de détails. Vous pouvez également visiter la page web de la caisse sur les survivants. Voilà. Alors, encore une fois, désolée pour les interruptions de vidéo. J'espère que même si ce n'était pas parfait, la présentation de vidéo, que cela vous donne une bonne idée qu'il y a ces vidéos pour plein de sujets et qu'il peut être utile de regarder vous-même à la maison ou quand vous avez le temps, les vidéos qui couvrent des sujets qui sont d'intérêt pour vous. Alors, avant qu'on regarde tous les outils que la caisse a créés pour faciliter la navigation des questions de pension, je voudrais juste couvrir une prestation avant qu'on passe aux outils de pension. C'est la prestation du versement résiduel. Il y a un versement résiduel, c'est donc un versement unique qui se fait seulement dans le cas où un membre de la caisse est décédé, qu'il reste à la caisse, suivant son décès, un résiduel de ses propres contributions et intérêts, et qu'il n'y a plus ou il n'y a pas de survivant en droit de recevoir des versements périodiques. Si cela est le cas, donc si le membre de la caisse est décédé, soit en service ou en invalidité ou en retraite, et suivant son décès, il reste encore à la caisse un résidu ou résiduel des propres contributions de ce membre de la caisse lors de son vivant, il reste un résiduel des contributions propres que la personne avait fait lors de son vivant et qui n'était pas encore versé à cette personne et qu'il n'y a personne en droit de recevoir une prestation périodique de la caisse. Dans ce cas-là, la caisse va calculer ce versement résiduel, ce qui reste donc des contributions propres de cette personne et verser ce montant-là à la personne ou aux personnes que le membre de la caisse avait désigné sur le formulaire A2 que vous voyez ici et soumis à la caisse. Je suis désolée, le formulaire devait être en français. Il y a une version française de ce formulaire. Je vais corriger ça avant de publier ce document, mais sachez que le formulaire A2, c'est le document qui doit être rempli par chaque membre de la caisse au mieux au début de votre participation et que vous pouvez re-remplir et remplacer comme vous le souhaitez, que la caisse doit avoir dans notre dossier dûment signé à la main par vous, daté, et sur lequel vous désignez la personne ou les institutions que vous désignez qui devraient recevoir le versement résiduel si jamais il y a un versement résiduel payable suivant votre décès. Souvenez-vous cependant que tant qu'il y a un ayant droit survivant qui est en droit de recevoir une prestation périodique, que ce soit un conjoint, un enfant, un survivant secondaire. Dans ce cas, tant que la caisse doit payer des versements périodiques à une telle personne ou à plusieurs personnes, la caisse ne verserait pas de versement résiduel. Le versement résiduel, c'est vraiment seulement la dernière étape avant de clôturer un dossier, si suivant le décès d'un membre de la caisse, feu membre de la caisse, il n'y a plus personne en droit de recevoir une prestation mensuelle, périodique, et qu'il reste une partie, ou même la totalité potentiellement, des propres contributions et intérêts de ce feu membre de la caisse. OK? Donc, si vous n'avez pas encore rempli ce formulaire A2 ou vous ne vous souvenez pas, vous pouvez tout simplement aller dans votre espace client, télécharger le document, l'imprimer, compléter, dater et signer à la main
et le retourner à la caisse, soit en téléchargeant ce document dans votre espace client ou en l'envoyant via courrier diplomatique ou postal à la caisse. Vous pouvez désigner soit une personne ou des personnes, que ce soit des membres de famille, des amis, des partenaires, une institution humanitaire, que ce soit, vous pouvez désigner sur ce formulaire, mais vous devez mettre des données spécifiques, l'adresse et des données de contact afin que nous sachions où verser. Si c'est une institution, une verse ou une organisation humanitaire, on doit avoir les détails pour savoir qui exactement peut être contacté pour qu'on fasse un tel versement. Voilà pour le document. Maintenant, on a quelques minutes pour regarder les outils de pension que vous avez à votre disposition. Nous passons beaucoup de temps à la caisse à voir comment on peut créer des documents, des ressources pour vous, pour en service libre, avoir accès à des informations clés sur les pensions. Alors, il y a le site Internet, évidemment. Il y a sur ce site Internet beaucoup de ressources et je vais vous montrer dans un moment exactement lesquelles je pense sont utiles pour vous. Il y a votre espace client, c'est-à-dire votre espace client personnalisé où vous devez d'abord vous enregistrer et créer un mot de passe et mot d'utilisateur. Mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez accéder à vos données personnelles pour vous et des documents personnalisés pour vous dans votre espace client. Et vous pouvez aussi dans votre espace client télécharger les documents que vous devez soumettre à la caisse. Et finalement, vous avez des outils de contacter la caisse, évidemment. Vous pouvez nous contacter soit en nous visitant dans nos bureaux à New York ou à Genève, si vous êtes présent sur ces localités. Évidemment, ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. Nous avons aussi des tout petits bureaux de liaison à Nairobi et à Bangkok. Localement, sur votre ISIC ou intranet, vous avez les détails de contact pour ces bureaux-là à Nairobi et à Bangkok, où vous pouvez aussi organiser des visites en personne si vous le souhaitez. Vous pouvez sinon nous téléphoner. Nous avons des services, un centre d'appel qui fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours ouvrables de la semaine, lundi à vendredi. Il y a des numéros gratuits de certains pays, plus de 60 pays avec des numéros gratuits pour contacter notre service, notre centre d'appel, où vous allez contacter ou être en contact avec des experts en pension qui soit peuvent vous aider à résoudre votre question et si jamais besoin, ils peuvent envoyer votre requête vers des experts plus seniors si jamais on a besoin de faire plus de révisions de dossiers avant de pouvoir vous répondre. Sinon, vous pouvez nous contacter à l'écrit en utilisant notre formulaire de contact sur notre site web. Vous le voyez ici, il est sur notre site web. Vous devez simplement nous dire si vous êtes participant ou retraité, etc., etc. Donc, je vais vous montrer tout cela en temps réel maintenant sur notre site web. Alors, voilà. Donc, si vous arrivez sur notre site web, donc c'est unjspf.org, comme j'ai déjà dit, vous pouvez opter pour la version française ou anglaise. Le site web existe seulement dans ces deux langues, anglais ou français, qui sont les langues de travail de la caisse. Une fois que vous êtes sur le site web, je vais essayer de mettre, voilà, c'est mieux, un peu plus petit, vous avez des onglets en haut ici qui sont pour les clients, investissements, ressources, à propos de nous, contactez-nous et assistance immédiate, puis vous avez l'accès direct à l'espace client. Je pense que les onglets les plus importants pour vous en tant que participant sont pour les clients. Si vous cliquez sur cet onglet directement, ça va vous amener à la page avec tous les onglets, avec toutes les pages web pour lesquelles nous avons créé une page dédiée sur les sujets qui sont
d'intérêt pour les participants et les retraités de la caisse. Si vous voulez être plus ciblé, vous pouvez cliquer sur « Participants à la caisse » et dans ce cas-là, vous allez voir seulement une sélection de ces onglets ici en fonction de ce qui est d'importance primordiale pour les participants. C'est comme vous le souhaitez. Mais vous voyez, chacun de ces petites fenêtres ici, c'est une page dédiée à ce thème-là où vous avez cessation de service, congé sans traitement, divorce, estimation, etc., etc. La participation, la pension d'invalidité, les options de prestation, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations et chaque page contient des informations, des Q&A, des questions et réponses, des vidéos s'il y en a pour le sujet en question, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, je crois, l'information de base pour des sujets qui peuvent vous intéresser. Ensuite, sous ressources, vous avez à propos de l'espace client. Ça, c'est une page qui vous aide à naviguer l'espace client. On va y arriver dans un moment. Vous avez aussi les formulaires, mais je vous suggère de ne pas utiliser les formulaires de ce lien, mais d'aller dans votre espace client où vous avez accès à tous les formulaires pré-complétés avec votre nom et votre numéro de référence pour la caisse. Ensuite, vous avez des modules d'apprentissage en ligne où vous pouvez apprendre sur la participation, sur la retraite, sur la double filière, sur plein de sujets en votre temps propre, c'est des modules interactifs d'apprentissage en ligne. Donc, c'est ici que vous allez avoir l'information comment y accéder. Vous avez la page sur les séances d'information virtuelle sur les pensions comme celle aujourd'hui, avec les informations sur les séances futures, où vous allez voir qu'à venir sont le 13 novembre, 20 novembre, 11 décembre, 18 décembre, etc. Chaque séance indique le sujet et la langue dans laquelle la séance aura lieu. Au-dessus, vous avez les événements passés avec, pour chaque événement, le sujet et, comme j'ai déjà dit, vous pouvez cliquer sur l'enregistrement et la présentation. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder les séances passées de cette année ici en cliquant sur l'enregistrement et la présentation. Nous allons publier la présentation d'aujourd'hui avec la présentation dans quelques jours et vous allez la trouver ici. Donc, ça, c'est sous ressources, séances d'information virtuelle. En dessous, vous avez toutes les vidéos. Donc, vous avez vu les vidéos. Vous avez des brochures par sujet détaillées, donc vous avez des informations et comme dit dans la vidéo dernière, pour les survivants, nous vous conseillons d'imprimer la brochure sur les survivants et la mettre avec votre testament dans un endroit où les survivants trouveront pour savoir ce qu'ils doivent faire si jamais ils doivent rapporter à la caisse l'information d'un décès d'un membre. Voilà. Ensuite, vous avez des informations plus générales pour la caisse, à propos de la caisse, etc., si ça vous intéresse, ainsi que pour les investissements, ici dans l'onglet « Investissement ». Contactez-nous, c'est là où vous allez trouver la page de contact. Si vous cliquez sur cette page « Contactez-nous », ça va vous amener sur cette page où vous pouvez donc remplir la page en disant « Je suis un participant ». J'ai une question sur le relevé annuel ou que ce soit. Vous devez mettre, si vous l'avez, votre numéro d'identification unique de la caisse. C'est un numéro à 9 chiffres, votre civilité, votre nom, prénom, etc., votre email, numéro de téléphone, pas besoin. Vous pouvez le mettre, mais surtout l'email, ça c'est important. Et puis, vous allez sélectionner votre organisation employeuse, qui que ce soit. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez mettre ici votre question pour la caisse. Une fois c'est fait, vous pouvez dire « je ne suis pas un robot » et soumettre votre demande. Dans ce cas-là, la caisse va la recevoir et notre service à la clientèle va revoir la question et vous répondre dans entre 5 à 15 jours ouvrables. Nous avons certaines priorités où on répond plus rapidement, mais on reçoit des milliers de questions chaque mois et
Évidemment, on les prend dans l'ordre chronologique de réception ainsi que de priorité si c'est priorité haute pour décès ou non-réception de paiement, etc. Pour les contacts, vous avez sous bureau de New York, bureau de Genève, plus d'informations pour les adresses du bureau, les horaires d'ouverture pour les services sans rendez-vous où vous pouvez venir en personne. Et puis, vous avez l'adresse postale pour envoyer des courriers. Même chose pour Genève. Et puis, vous avez en bas les numéros gratuits sans frais pour toute personne qui est dans ces pays, 60 plus pays, pour nous contacter par téléphone pour appeler notre centre d'appel qui fonctionne lundi à vendredi, 24 heures sur 24. Et finalement, l'espace client, comme j'ai déjà dit, pour des informations détaillées sur l'espace client, vous allez sur la page, pardon, pas à propos de la caisse, mais sur l'espace client, voilà, où vous avez toutes les informations sur les différents onglets que vous avez dans l'espace client. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'espace client? C'est bien expliqué ici, ainsi que plus en détail pour chaque menu dans l'espace client, ce que vous pouvez faire sous les différents onglets. Si jamais vous ne connaissez pas les détails pour vous enregistrer dans l'espace client, vous pouvez contacter la caisse. Excusez-moi. Vous allez ici sous enregistrement. Là, si vous cliquez sous enregistrement, vous pouvez voir ce qu'il faut. Il faut votre numéro d'identification unique à la caisse, caisse numéro 9 chiffres. Si vous ne savez pas ce numéro, vous pouvez écrire à requestuidonly@unjspf.org. Cette adresse email, si vous y écrivez, ils vont vous répondre dans un jour à peu près pour vous donner votre numéro d'identification dont vous avez besoin pour vous enregistrer dans l'espace client. Si vous avez des problèmes avec l'espace client, vous pouvez aussi soumettre votre question directement au email msssupport@unjspf.org. Et dans ce cas-là, ils vont vous répondre aussi, a priori, dans un jour ouvrable avec le support dont vous avez besoin. Donc, voilà comment obtenir les informations dont vous avez besoin pour naviguer l'espace client. Une fois que vous êtes dans l'espace client, vous devez créer un nom d'utilisateur et un nom de un mot de passe. Actuellement, l'espace client existe seulement en anglais. On est en train de lancer la version française. On espère l'intérieur de l'espace client sera disponible en français avant la fin de l'année. Par contre, l'enregistrement pour l'espace client en français va être disponible seulement en début de l'année prochaine. Donc, actuellement, pour l'enregistrement, malheureusement, vous devez toujours vous enregistrer en anglais, mais on espère en janvier ou février, la version française est complètement disponible. Une fois que vous vous êtes enregistré et vous avez accès à l'espace client, voilà à quoi il ressemble en anglais. Je suis conscient que c'est pas facile à suivre si vous êtes francophone seulement. Mais comme j'ai dit, je pense que dans un mois à peu près, tout ceci serait disponible en français à l'intérieur de l'espace client et vous pourriez changer la langue d'utilisation de l'espace client de français vers l'anglais. Les onglets les plus importants, c'est documents où vous pouvez accéder les documents pour votre cas, que ce soit les estimations que vous avez obtenues dans l'espace client ou votre relevé annuel qui en anglais s'appelle Pension Statement. Si vous cliquez sur le PDF ici, cela va ouvrir le PDF et vous pourriez voir votre relevé annuel pour l'année 2023 et ainsi antérieur si vous le souhaitez. Si vous êtes intéressé d'obtenir une estimation, allez sous Estimate ici, où vous pouvez alors entrer les détails de séparation, c'est-à-dire la date de séparation, on va dire 31 décembre 2024, par exemple. Et vous ne remplissez pas la case suivante, vous la laissez vide et vous cliquez sur Submit Request. Dans ce cas-là, le système va générer une estimation pour une date de séparation 31 décembre 2024.
Si vous souhaitez une date dans le futur en 2032, vous pouvez l'entrer ici, évidemment, et obtenir une estimation pour une date que vous souhaitez. Mettez pas de détails dans la deuxième case, mais cliquez sur Submit Request. Une fois que vous mettez Submit Request, vous allez voir, if you click on OK, Request will submit. Si vous cliquez sur OK, votre requête sera soumise. Dans ce cas-là, cette roue va tourner un peu. Et une fois que l'estimation est complète, vous avez, ou est complétée, vous avez en haut cette notification qui dit « Votre estimation est prête. Veuillez aller vers l'onglet « Documents » où vous pouvez la voir. » Et voilà, vous voyez ici, le 23 octobre 24, j'ai obtenu une estimation. Et si je clique sur cette estimation, je vais voir mon estimation pour la date de séparation 31 décembre 2024 que je viens d'entrer. OK. Sinon, il y a les onglets pour les formulaires où vous pouvez accéder à tous les formulaires, soit en version anglaise ou française. C'est ici que vous pouvez accéder, par exemple, le formulaire A2, désignation de bénéficiaire d'un versement résiduel. Et vous pouvez l'ouvrir, le télécharger, le remplir et soumettre à la caisse. Sous l'onglet « Validation, restauration ou transfert », vous pouvez soumettre une requête de validation, de restauration ou de transfert de droit à pension si vous le souhaitez et si vous pensez être en droit de le faire. Et finalement, sous MSS « Document Upload », ça c'est l'onglet où vous pouvez télécharger des documents. Dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sous « Upload Document », télécharger le document. Et vous allez choisir dans votre dossier, dans votre ordinateur, un document que vous voulez télécharger. Je ne sais pas, moi je ne vais pas télécharger quelque chose maintenant, mais vous comprenez, vous mettez le document que vous souhaitez, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Upload » et le document va maintenant être soumis à la caisse. Si vous soumettez des documents via ce onglet Document Upload dans votre espace client, vous n'avez pas besoin de soumettre les documents en version papier à la caisse. Donc, si vous utilisez votre espace client pour télécharger un document, et cela inclut les formulaires officiels, vous n'avez pas besoin d'envoyer le formulaire à la caisse. Voilà les onglets que je pense être les plus utiles et les plus importants en tant que participant à la caisse que vous avez à votre disposition dans votre espace client. Une fois que je vais télécharger cette présentation, vous auriez des détails aussi dans la présentation qui vont expliquer un peu plus en détail tous ces différents onglets que je viens vous montrer. Il y a des détails un peu sur comment obtenir une estimation, quels sont les différents onglets d'importance, etc. Donc, avec ceci, j'ai atteint la fin de la présentation. Il n'y a pas de quiz. Pour les dates et sujets d'information, de sessions d'information futures, veuillez visiter notre site web. Vous allez aussi recevoir un email plus proche de la date prochaine de la prochaine séance. La prochaine séance en français est celle le 13 décembre sur la retraite et la séparation. Et aujourd'hui, je sais que vous avez commencé à soumettre des questions et je regarde, il y a une qui reste à répondre, sinon plus de 50 questions étaient déjà répondues. Je remercie mes collègues qui ont répondu aux questions et je vous remercie vous énormément de votre attention et d'avoir participé à cette séance pendant plus de 3 heures. Je suis désolée qu'on a dépassé l'horaire et je vous remercie aussi de votre pensée avec les vidéos qui n'étaient pas toujours, sans glitch. Voilà sur votre participation et un aperçu des prestations et des outils de pension. J'espère que cela est utile et si jamais vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur les retraites, sur les différentes prestations que la caisse offre, sur la séparation en général, veuillez nous joindre pour la séance virtuelle le 13 décembre prochain en français.
afin que vous ayez les informations dont vous avez besoin. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. J'espère que cela vous aide à naviguer les questions de pension avec plus d'aisance. Et si jamais vous avez des questions sur vos pensions qui ne peuvent pas être répondues sur notre site web ou votre espace client, évidemment, contactez-nous et merci de votre patience. Alors que vous attendez notre réponse, nous faisons de notre mieux de répondre dans les meilleurs délais. Malheureusement, nous avons énormément de questions et une équipe relativement petite pour répondre, mais on fait de notre mieux. Merci et je vous souhaite une bonne continuation de journée, après-midi ou soirée, où que vous soyez. Et je vous souhaite une bonne continuation de semaine. Merci beaucoup à tout le monde, à mes collègues et aussi aux organisateurs des services OICT. Merci.